Il s'appelle le prophète Joël. Clasons-nous pour moi, le Seigneur.
Vous savez que le sommet, c'est pas qu'un travail de quelqu'un. Ça m'a pipé un peu dans les DGV. Donc j'ai remboursé sa monnaie, je lui devais et j'ai payé un peu, amen. Amen. Ça ne soyez tout remboursé. Je lui ai dit, bon, laisse-moi un peu y aller servir Dieu. Amen. Amen. Je suis très heureux d'être parmi vous, on dit amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Agréable d'être dans la présence de Dieu. Alors, nous avons un enseignement très important. Je tenais à vous signifier que il y a notre ancien Serge Bagny qui a perdu sa belle-mère. Voilà, c'est-à-dire la mère de sa ta femme. Voilà, donc, pour toutes les condoléances, on aura besoin de programmes pour que l'Église puisse réagir. Ça, c'est beaucoup très important. Parce que la Bible est pleurée avec ceux qui pleurent. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse, soyez fortifiés. Amen. Voilà. Alors que Dieu bénisse. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'aborder un thème très important. Voilà. Très important. Sur les autels. Amen. Amen. C'est un thème très important. Alléluia. Je compris la profondeur de ce message. L'importance des autels, encore, quand je me suis retiré pour 2 mois et demi de jeûne, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai compris comment Dieu m'a parlé sur l'importance des autels. Et j'ai compris que tant qu'il y aura encore des autels dans votre vie, malgré votre chrétienté, vous n'allez jamais progresser. Je suis en train de rentrer, du moins Dieu est en train de l'utiliser pour vous amener dans une délivrance approfondie. Amen. Parce qu'il y a souvent des questions que nous nous posons. Il y a des questions que nous posons et nous sommes là sans réponse. Amen. On est dans le Seigneur, on prie, on jeûne. On est dans le Seigneur, on prie, on jeûne. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à progresser. On a l'impression que c'est les esprits qui ont la victoire sur nous. On a l'impression qu'on est en arrière, on est derrière. On se pose beaucoup de questions. Amen. Amen. On aura la réponse ce matin. Dis amen. Amen. On aura cette réponse aujourd'hui. Dis amen. Amen. Alléluia. Nous sommes à quelqu'un. Tu es condamné à Jésus. Dis à quelqu'un. Amen. Mais j'ai la réponse. Quand il y a des gens qui venaient dans leur église, vous allez vous marier, vous allez avoir l'argent. Mais on vient à l'église, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pas le ciel. C'est quoi? Si on n'allait pas s'habiller, on allait s'habiller comme les moines, on allait s'asseoir à l'église. On vient à l'église, c'est pour moi. C'est pas le ciel. Mais on a qu'à être béni. Parce que l'homme n'est pas que spirituel, est physique. L'homme aussi, l'aspect spirituel. C'est ça qui fait dans la vie, tout être humain est à cette intuition qu'on ne peut pas évoluer sans la pure d'une divination. C'est la force d'un esprit, sans la force de quelque chose de supérieur. C'est pas possible. C'est inimaginable. Parce qu'à un moment donné de ta vie, tu auras besoin d'une force extérieure. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ vont dans les sciences occultes, vous voyez, surtout là-bas, faire des conneries. Mais nous qui avons Jésus-Christ, nous savons que nous avons la puissance suprême. Dis amen. 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 Alors pour que les gens puissent croire en toi, croire en Jésus, c'est ta vie. Amen. Si tu parles d'un franc-maçon, l'argent, ça veut dire. Si tu viens de Jésus, tu vois l'argent. Ça n'arrive. Il a laissé. Tu dis un franc-maçon, si tu viens dans le Seigneur, tu vas voir Dieu. Qui a voir Dieu? Amen. Amen. Il va commencer d'abord à regarder ta vie. C'est qui dans ta vie? Qui n'a pas? C'est ce qui va le pousser. Sinon, tout ce qu'il entend, il dit là. Eux, ils disent ça là-bas, ils ont ça. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. 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 Est-ce que ma vie s'est dit? Amen. Son frère, frère, Pierre a dit à Jésus, nous te suivons. Qu'est-ce que nous gagnons?
Tu dis tu as le ciel, on ne t'empêche pas. Oui, on est d'accord. Et je vais vous préparer place au ciel. On est d'accord avec ça. Mais non, on ne gagne pas de chez vous. Vous pensez qu'on suit quelqu'un comme ça avec moi dans la vie? On est dans le Seigneur par intérêt. Amen. Personne, même dans une relation, c'est par intérêt. C'est pareil à l'âme. On ne suit pas comme ça les gens bêtement. On gagne quoi en te suivant? C'est-à-dire, je gagne quoi quand je te suis? Parce que depuis là, on regarde, tu loues chez les gens, tu n'as pas de maison, et toi, ta seule maison que tu veux faire, c'est dans le ciel. Ah, non, c'est bon. Et bientôt, tu vas mourir. Donc, gagne quoi en te suivant? Il faut bien parler, sinon on dégage. Amen. Amen. J'aimais cette création de Pierre. J'en ai lui dit, le monsieur là, est-ce que son affaire là, c'est vrai, vrai? Frère, dans la vie, il y a des gens qui seront comme des pierres, qui vont un jour devenir, ou jamais. Il y a des gens qui seront comme des Judas, ou des trahis. Il y a des gens qui seront comme des Thomas, pour douter de toi. Tu vois toujours dans ton environnement tous ces droits de se qualifier. Les personnes là, ils seront dans ton environnement. Ne sois pas surpris. Ah, pourquoi ils doutent de moi? Mon frère, tu ne peux pas l'empêcher de douter de toi. Pierre, comment qui vivait Jésus, qui a eu toute la révélation de la puissance de Christ. Jésus faisait un miracle. Et Jésus même a dit, le troisième jour, il est ressuscité. Il dit, tant que je n'ai pas vu, moi-même. Tout ce que j'ai dit là. Oui, il vivait Jésus, mais il ne croyait pas à la résurrection des morts. Il dit, viens voir Jésus, puis je prends sa peau. Puis je mets mon doigt dedans. C'est puis il a touché. S'il a crié, ah, c'est que c'est Jésus. Amen. 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 C'est pour ça que dans la vie, ma chair et les gens, tu vois de la même manière que nous. Amen. Sinon, ils vont vous écraser. Les premiers gens que vous détruisez, ce sont ceux qui sont dans votre environnement. Amen. Donc, faites attention. Parce qu'à un moment donné, votre élévation va dépasser d'autres personnes. Amen. Ils seront jaloux. Amen. Et quand la jalousie naît, non, mais ça fait les sorciers d'abord. Quand la jalousie naît, c'est la trahison qui commence. Vous comprenez? Quand la jalousie commence à naître, c'est les critiques qui commencent. Ils vont commencer à critiquer tes faits et gestes comme tu es orgueilleux. Quand quelqu'un voit que tu es plus supérieur que toi, que lui, il te voit encore l'orgueil. C'est qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous savez le prix? Le prix que la personne a payé. Frère, il n'y a qu'une bénédiction sans prix. Amen. Ça n'existe pas. Dis à quelqu'un, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On m'a bien saisi. Est-ce qu'on m'a bien saisi? C'est une loi divine. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Il n'y a pas de bénédiction sans prix. C'est pour ça que quand Jésus a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, Dieu dit, il faut prier ça. Ça ne va pas s'éloigner de toi. Dis amen. Il y a des prix, frère. C'est pour ça que dans n'importe quelle bénédiction, quelqu'un pour accéder à un pouvoir, à une bénédiction ou autre bénédiction, il y a un prix. Amen. Et le prix nécessite le sacrifice et la douleur qu'il y a dedans. Amen. Mais je ne sais pas ce que tu as traversé. Amen. Tu m'as dit ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'un couple qui n'a pas une histoire de leur élévation, le coup va se déchirer demain. Amen. Amen. Il doit avoir une histoire. Où de vous regarder, oui, on a pu tenir, on a traversé ça. Amen. Le peuple d'Israël a traversé le désert. Il y a toujours un prix. Le peuple d'Israël a traversé le désert. La mer, où s'est fondu devant. Tu veux aller à Canaan, frère? J'ai un prix à payer. Amen. 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 Tu veux avoir du travail ici, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir la connaissance. C'est pas une question de dire non, je suis chrétien. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, je vais être secrétaire d'État. Tu es vaincu, sorcier. Amen. Amen.
Celui qui a le diplôme et celui qui brille, qui va avoir le travail? Celui qui a le diplôme. Et tu ne sais pas forcément au nom de Jésus, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Non. Est-ce que tu as la connaissance? Parce que celui-là a payé le prix. Toi, tu es resté comment dans le prix. Amen. Il n'est pas injuste. Pour ça qu'à un moment donné, si vous avez cette possibilité d'étudier, allez-y. N'ayez pas peur. Approfondissez votre connaissance, votre capacité intellectuelle. C'est ça qui va vous élever demain. C'est ce que tu as en toi qui va propulser ton élévation. Amen. Vous êtes dans un pays, un continent où il n'y a pas d'âge. Et vous jouez ça. Il n'y a pas d'âge dans la vie, vous jouez ça. Bon, Dieu veut te donner des entreprises. Il a même une connaissance en ressources humaines. Moi, je suis en train de faire la formation aujourd'hui, là, c'est comment gérer les gens, les ressources humaines. Parce que tu es un homme d'affaires. Ah oui. Amen. Amen. Papa, Jésus, il vient, hôtel, satanique. Mon frère, il ne mange pas. Amen. Vous allez compter sur les ouvrages, les dit. Je suis responsable du baroque. J'ai une structure de communication, je suis en train d'approfondir, je vois que je suis limité dans ma capacité. Il y a des choses que le Saint-Esprit va venir me dire, non, le Saint-Esprit veut réveiller la sorcellerie, ça il est formidable. Non, ça, c'est moi, je remercie le Saint-Esprit sur ça. Si j'ai sorcier dans ton dos, dans tes narines, dans tes oreilles, il va me révéler. Mais comment gérer une entreprise, frère, ça n'a rien à l'école. Amen. Ça m'a bien compris. Amen. Voilà, donc moi comme je veux avoir des entreprises, Seigneur, tu as dit qu'on aurait des entreprises, mais quelle est la connaissance qu'il y a des gestions? Il faut avoir ça. Donc ça m'intéresse aussi d'abord prendre la comptabilité, la gestion, comment on gère. Si tu as cette connaissance, tu vas te donner la richesse. Amen. Celui qui ne sait pas gérer, tu ne vas jamais le payer. Ça se fait du gaspillage. Quelqu'un m'a saisi. Amen. Tu as fait le Seigneur tout ça. Entre quelqu'un qui gère et quelqu'un qui a aussi un franc Christ, et l'autre qui a un grand diplôme, et l'autre qui n'a seulement qu'un petit diplôme, un CAP. Et celui-là a un petit BTS. Mais il ne prie pas comme toi tu pries. Quand ils vont se présenter quelque part, c'est celui qui a le BTS. Amen. Donc Dieu, il voit quoi encore pour délivrer. Non, depuis, il ne lève pas, mais il n'y a rien sur lequel tu peux s'appuyer pour t'aider. C'est pour ça qu'il faut, aller au bout de la capacité de ta connaissance. Ne sois pas limité, parce que tu limites Dieu dans l'élévation qu'il veut t'apporter. Amen. Ah non, je n'ai pas de promotion. Pas une promotion, c'est là, madame, va vous dire, non, toi, tu as trop de vie, c'est la non, hein. C'est la capacité de Dieu. Le gars vient d'arriver, il a le diplôme qu'il a la meilleure que vous parlez pas. Qui vient dans l'état? Non, Seigneur, c'est injustice. Quelle injustice? Lui, il a peur le prix. Est-ce qu'on a bien saisi? On ne peut pas rentrer dans une bénédiction, frère, sans qu'il y ait un prix à payer. Il y a toujours un prix. C'est ça qu'il faut être content quand tu payes le prix. Amen. Amen. Jésus dit que la coupe seulement, il m'a bien dit non. Il faut que tu payes ça. Tu vas passer par ça. Non, c'est difficile. Mais pour donner la facilité, tout ce qui est facile, mais tu pas. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous voulez vous marier facilement, comme ça, il n'y a pas de combat. Forcément, il n'y a pas de combat, il y a des choses. Amen. Amen. Les gens, non, ils veulent. C'est vrai que le mariage, c'est un truc heureux, mais il y a une expérience que vous avez vécue, bon, monsieur, madame. Il verra que ça, tu seras que la vie dans votre mémoire. Amen. Il verra que tu dis, ah oui, celle-là, elle m'a aidé dans les moments difficiles. Amen. Je remercie beaucoup cette femme et Dieu te bénisse mon épouse. Est-ce que les gens n'ont pas rencontré? Mais il y a ce qu'elle sait, elle a comme expérience, mais moi, parce que c'est elle qui me connaît. C'est elle qui vit dans mon intimité. Il y a ce qu'on peut dire de quelqu'un. Et bien, c'est comme ça une personne. Amen. C'est des choses différentes. Amen. Et puis il y a toujours un prix à payer. Amen. Comment c'est que la vie là s'est passée? Pas Dieu lui-même pour sauver l'homme. Pourquoi lui-même se donne? Il a saigné. Toi qui veux entrer dans une église, tu vas saigner. Ah, j'ai déjà tout fait. Vous allez comprendre tout à l'heure.
je vais être marié, tu n'as plus les conditions. Tu n'as pas de le mariage. C'est toi qui parles mal, c'est toi qui parles. Ta bouche est lâche, mon cœur, tu parles. Tu gardes rancune, tu gardes. Tu gardes. Parce que le mariage, là, mariage, là, c'est que. Ah, la vie, quand tu n'es pas dedans, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est papa. C'est ce qu'on appelle foyer. La seule chose qui déstabilise ou même qui apporte, c'est le foyer. Une fois le moral atteint dans le foyer, c'est fini, t'es dégoûté. Amen. Je suis l'ordinateur qui est ailleurs. Tu te trompes. Les voilà après ça pour main. J'ai oublié de l'utiliser. Ah! Amen. Amen. Ah, ça. Quand j'ai dedans. Même la voiture, qu'elle fait pire, ça ne te dit rien. Tu oublies où tu es. Ça dit même, tu étais dans les nuages. Qui nous aide? Amen. À rencontrer une personne qui est prête pour nous. Oui, c'est ce que les gens ne savent pas. Moi, on est jugé. Mais est-ce que tu es prêt? Il y a un prix à payer. Dieu a aimé le monde qui a payé le prix du rachat de ton âme. Amen. Tiens comment? Ah, si c'est comme ça, moi, même il dit, tu n'as jamais aimé. N'importe quoi, excusez-moi. C'est comme ça, ça est. Ah, les mérites. Si Dieu regarda ça, il n'allait jamais vous sauver. Amen. Si Dieu regardait ça, il n'allait jamais. Parce que personne n'est juste devant Dieu. Personne. On pose même question à Jésus. Pourquoi tu es réuni, c'est pas là. Et l'amour, là, c'est l'amour agapé, dans le langage grec, un amour sans intérêt. Alors, les gens qui ont un amour avec plus d'intérêt, ils se réduisent. Ils ne resteront jamais. Les gens qui vous aiment par intérêt, ils vont toujours suivre votre vie. Amen. Vous quitteront votre vie. Les vrais vont rester. C'est ça qu'il faut, il faut des épreuves. Les épreuves veulent purifier ton environnement. Les épreuves viennent balayer ton environnement et laisser les gens qui sont bons. Amen. C'est ça que la tempête est importante. Tiens, quelqu'un, la tempête est importante. Ah, maman, il savait pas que c'était comme ça. Ah, moi, c'est comme ça. Oh, oui, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Il y a le prix. Amen. Amen. Quand on est, on ne laisse pas tomber la personne qu'on est. Même qu'elle a des difficultés. On ne s'allie pas à ses détracteurs. On soutient cette personne. Amen. Par amour. Pas par rapport à quelque chose, c'est par amour. Et quand on aime une personne, on ne la laisse pas tomber. On l'aide à s'en sortir. Amen. Et quand tu poses l'acte, le jour où tu seras dans les difficultés, c'est comme une réserve. Dieu puisse dans ça. Et puis il agit. C'est ça qui est dans la Bible déclare que Dieu est libre de souvenirs. Alors quand tu fais des mauvaises choses, Seigneur, tu es dans les problèmes, frère, Dieu te laisse sauver. C'est ça qui fait plus de bonnes choses. Amen. Et plus d'action. Amen. Tu parles des noms de Dieu par rapport aux mauvaises choses. Amen. Mais les gens disent, tous les problèmes, c'est critique. Et tous les problèmes, c'est attaqué. Et tous les problèmes, c'est calomnié. Dieu note. Tout le réflexion qu'on va nuire, tout le réflexion qu'on va détruire, le jour où ils ont dit à David, voici ton Dieu, ton ennemi, Saül, je l'ai tué. Il dit loin de moi. Le plus grand tueur, c'est David. C'est un ennemi. Il dit loin de moi. Mais il y a la lignée que David a compris. Si tu es l'homme qui est loin, les problèmes qu'il a là. Amen. Amen. Son fils Absalom s'est levé, la chasse de son trône. Dieu a restauré son trône. Il se souvient de certaines choses. Dieu a béni la descendance de David à cause de ses bonnes actions.
C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de bonnes choses, mais Dieu a poussé dans ses bonnes actions ou agir. Si quelqu'un te conduit dans les mauvaises choses, retire-toi là. Parce que tout se paye. Tout se paye, frère. J'ai compris une seule chose. Quelqu'un est attiré par ce qui est dans son sang. Tu es bien, tu retourneras. Tu as poussière, tu retourneras à la poussière. Il y a des gens où il y a critique, ils sont toujours dedans. Parce que dans leur sang, il y a l'esprit, les critiques dedans. Je ne sais pas ce que la vie a mangé, mais il y a l'esprit des critiques dedans. Amen. Je ne sais pas ce que le papa a mangé, mais il y a l'esprit des critiques dedans. Ils n'ont jamais posé de bonnes actions. Jamais. Et tout ce qu'on fait, on le prie. Amen. Amen. Tout ce qu'on médite, on projette contre. Tous ces pères, frères, ne pensez pas que c'est inutile comme ça. Ceux qui n'ont pas payé, tes enfants vont payer. C'est pour ça que c'est dangereux. Le, rien de ces pères. Vous avez donné. Rien de ces pères. Un être humain, il est à l'image de Dieu. Amen. Les choses de l'homme chrétien, et l'homme est à l'image de Dieu. Donc, attaquer une créature de Dieu, frère, tu mets Dieu au défi. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Dieu va dire à Caïn, le sang de Abel, crie vengeance. Quand quelqu'un a essayé d'attaquer, et quand il pleure devant le Seigneur, son sang crie vengeance devant Dieu. Amen. Qu'est-ce que le sang de Abel? Il y a des choses, des douleurs, il y a des douleurs qui sont internes. Quand la personne commence à pleurer et dire, hein, c'est ce qu'on dit. La personne en train d'invoquer Dieu. Son cœur saigne. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, j'ai entendu les cris. C'est parce qu'il criait, mais le cœur saignait. Et quand Dieu est venu, c'est pas misère. Il a détruit Pharaon et toute son âme. Que Dieu ce matin ou aujourd'hui me détruit tous vos ennemis. Amen. 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 Ce qui est bon ne pas exclure de sa vie, c'est les ennemis. Ça, tu ne peux pas. C'est la seule chose que tu ne peux même pas exclure. C'est... Non, tu ne peux pas. Est-ce qu'on a saisi? Amen. Non, il y a tous les ennemis. Il y a une. Dieu m'a dit. Amen. Amen. Pourquoi j'ai tous les ennemis? Parce que c'est important. Dis Amen. Amen. Que les ennemis nous aident. Puis-je l'attaquer, puis-je l'attaquer. Amen. 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 Parce que dis Amen. Amen. J'ai tous les ennemis. Je ne comprends pas. Mais ton étoile, mon frère. Tu pries que l'autre. Jésus est né, on dit son étoile a brillé. Ah, le roi de Dieu, jaloux. Un bébé, mon frère. Moi, il regarde cette histoire, mais combien de bébés a fait? Et combien d'enfants, un bébé, ma crèche. Tu es jaloux de ça. Je t'ai dit, il y a Thierry dedans. Tu vas mettre à côté de lui, tu as tué les gens. De... Ah, mon frère. Frère, il y a des gens comme ça qui n'aiment pas ton évolution. Amen. Amen. Qui n'aiment pas ça. Parce que les enfants de Dieu, il y a les enfants de Satan. Et ils font les yeux de leur papa qui est le diable. Ils sont toujours gauches. Vous êtes ensemble. Dans l'assemblée, n'excluez pas ça de vos têtes. Forcément dans une église. Ou bien pas dans une église. Il y aura toujours des deux camps. Il y a le camp des enfants de Dieu qui vont apporter la vie, qui vont protéger les gens. Il y a les enfants du diable qui vont vouloir toujours nuire. Parce que c'est un homme, c'est un esprit qui est amené, c'est une nuisance. Ça aime les choses où on détruit. Vous avez saisi? Amen. Le psaume 60, verset 14, avec Dieu, vous ferez les espoirs. Il dit, il écrasera vos ennemis. Si tu fais espoir, il y a des ennemis de Dieu à les écraser. Amen. Ça qui fait attention à votre environnement. La première de
certaines choses, actions que le diable va commencer, c'est dans votre environnement. Ne soyez pas suivi. Vous allez voir trois visages. Il aura des pieds pour vous régner. Ah non, 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 sa manière de faire. Il y a des gens qui ne sont jamais loyaux. Ils sont là pour. Mais quand il y a un problème, ils ne vont jamais te protéger, rien qu'est-ce que hein. Ah non, 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 vite, vite, vite. Ils ne vont même pas prendre la défense. Il y a des gens eux-mêmes qui sont là, ils dépêchent. C'est des Judas et des Scariotes. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui trahissent meurent toujours avant celui qui la trahit. Amen. Vous allez me dire, ah, je ne vais pas mourir, mais spirituellement, il meurt. Amen, 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 amen. Mort. La présence de Dieu n'est plus là, sur toi, dans ta vie et celle de ta maison. Amen. La seule chose de laquelle tu dois avoir peur. Et regardez le son, c'est quand tient. Quand David allait prier, il dit, Seigneur, ne te loigne pas de moi et ne m'arrache pas ton esprit saint. Il a compris. Oh. Il y a quelqu'un qui a compris. Il a compris. Oui. David a vécu dans la maison d'un homme de qui Dieu s'est retiré. Il a vécu chez Saül. Il a vu. Quels sont les lumières? Nathan est venu et dit, Seigneur, pardon, ne te loigne pas. Quand vous commencez à vouloir nuire la trahison, la destruction, Dieu qui s'éloigne. Il s'éloigne. Amen. Amen. Et encore pire, il va mettre son esprit. Et là où il y a l'esprit, quand l'esprit de Dieu n'est plus là, c'est un esprit d'égarement. On va pas te parler, tu penses qu'il a toujours raison. C'est-à-dire que dans une logique, et tu penses qu'il a raison. C'est ça que quelqu'un est égaré. La personne pense qu'elle a raison. Elle parle mal. Elle insulte. Elle se comporte mal. Mais elle n'a pas un esprit de repentance. Et parce que les mauvaises choses, c'est elle qui a raison. Mais c'est dangereux. C'est ce qu'on appelle un esprit de carrément. Et la vie n'est mal. Parce que quand tu as un esprit de Dieu en toi, il est perpète si c'est un jour que tu es le saisis. Là où tu ne le saisis plus, c'est un esprit de Amen. David dit, pardon, ton esprit, c'est ce qui vous interpelle. Vous voyez quelqu'un, c'est parce que c'est l'esprit de Dieu quand il sera en vous, il vous aidera. C'est l'esprit c'est qui nous aide, n'est-ce pas? À nous éloigner de tout ce qui n'est pas de Dieu, nous éteindre. Allons, évitez ça. Et que nous aide. Amen. Père, Père, le nom du Seigneur. Amen. Je prie que Dieu nous donne des personnes qui vont nous soutenir. Amen. Amen. On a toujours besoin des personnes dans les moments difficiles. Ah oui, dans les moments difficiles. La Bible dit quand je traverse, vous voyez, dans les moments difficiles, tu te poses des questions, est-ce que ça va aller? Et puis, il y a des gens, une personne à côté. Lui, j'y crois en toi, vas-y. La Bible dit quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, tu as peut-être vécu cette situation. Tu as peut-être vécu cette situation d'une manière ou d'une autre. T'as vu, tu as l'impression que tout est mort autour de toi. Tu as l'impression que tu vis la haute trahison. Tu as l'impression que. Attends. Tu es dans quel monde? Tu as l'impression que les personnes, et tu ne comprends plus, c'est ce qu'on appelle l'ombre de la vallée de la mort. Amen. Je prie que tu traverses au nom de Jésus, au nom du sang de Jésus, l'ombre de la vallée de la mort. Amen. Chacun aura cette situation. Tu seras en face de ça. David dit, quand je traverse, tu traverseras. Amen, amen. Amen. Dieu t'aidera à traverser l'ombre de la vallée de la mort. Et si seulement, il est engagé. Amen. Dis amen. 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 Dis amen. Amen. Si seulement il est engagé. Amen. 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 Si tu le laisses éviter. Amen. Donc là, il a. Les gens, ils prennent leur appui sur les conseils des gens. Tout ce que la Bible dit dans le même psaume de chapitre 1, quand il y a une. Malheur soit celui qui va s'asseoir en compagnie des pécheurs, qui s'appuie sur le conseil des pécheurs. Heureux celui qui garde la parole de Dieu dans son cœur. Il ne connaît pas quand il perd de l'eau. Amen. 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 Il donne son prière sur son front. Vous comprenez? Donc le problème, c'est quoi? C'est nous. Souvent, les gens sont détournés de ce qui leur arrive. Non, mon frère, tu as choisi un camp. Tu as choisi de désobéir. Tu as choisi d'attaquer, tu as choisi de mal te comporter. Mais c'est le malheur qui va guérir. Amen.
Tu as choisi de faire la volonté de Dieu. Ne soyez pas surpris si elle a la bénédiction. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Alors nous allons parler des hôtels. Dieu bénisse. Amen. Amen. Nous allons parler des hôtels. Dis amen. Amen. J'ai tout, j'ai dit, c'est comme ça, je fais une révision. L'hôtel, c'est un endroit, un lieu, n'est-ce pas? Un objet d'invocation, d'un esprit, d'une divination. C'est-à-dire que c'est un endroit où on invoque un esprit. Amen. Amen. Généralement, l'hôtel appelé au lieu. Ça, vous allez comprendre ici. Et là, on appelle ça l'hôtel. Vous comprenez? Amen. C'est toujours un nom. C'est dans l'esprit de l'homme. Parce que Dieu, c'est la hauteur, n'est-ce pas? Amen. C'est pour ça que quand l'âge, quand David, Noé est sorti de l'âge de l'éternel, on a vu ça dimanche passé, il a bâti. C'est-à-dire, il a monté l'endroit. Il ne sait pas sur la terre, il a monté. C'est pour ça que la plupart des monuments que vous voyez, ne pensez pas que c'est des choses saintes. C'est des hôtels. On m'a bien compris? Amen. Voilà. Et l'hôtel, c'est un lieu de rendez-vous et de rencontre de l'être humain avec cette divinité. On dit amen? Amen. Est-ce que ma bien saisi? Amen. Alors, l'hôtel aussi est une porte d'entrée. C'est par l'hôtel que la divinité, les esprits entrent. Alléluia. Amen. Et les esprits, comme ils ne meurent pas, fait que l'hôtel, tant que l'hôtel sera encore là, les esprits demeurent. Ils ne bougent pas. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Amen. On va bien saisi? Amen. Et je vous aide. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme je disais la dernière fois, l'esprit de l'hôtel vient de Dieu. Vient de Dieu. Parce que c'est celui qui a mis ça dans l'esprit de Noé. C'est Noé qui a commencé. Oui, on a mis Abraham qui a bâti l'hôtel. Il dit là, et là, l'endroit où Dieu rencontrait. Mais regardez ce qui va se passer par rapport à son fils. Qui va dans un lieu inconnu. Il pensait qu'il était inconnu. Frère, peut-être que ta maison où tu es est un hôtel. Et il ne sait pas. Il y a des maisons où vous rentrez, vous vous sentez bizarre. C'est pour ça qu'avant de prendre la une chambre d'hôtel, prier tout ça, détruire tout ça, vous allez lui l'onction. Il veut baptiser l'hôtel, lui Dieu, c'est ta présence. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Amen. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Monsieur, on allait chez moi, ma femme, ce jour, on voit, ils ont dessiné un écrin, sirène, une sirène, en haut du lit. Ma femme m'a dit, comment tu as fait pour voir? Elle dit, mais moi, il était, j'ai rien. Je joue pas. C'est nous, on pense que le diable joue. Non. J'ai dit maintenant, nous, on bâtit l'hôtel à l'éternel. Ici, devient la présence de Dieu. Amen. Votre présence, vous savez. Imaginez-vous dormir dans une maison où il y a sirène des yeux. Tout ce qui va venir, tu comprends? Amen. 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 Peut-être que le quartier où tu es, il y a un hôtel là-bas, tu sais. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Peut-être que le terrain que tu allais acheter, la portion de terre pour construire ta maison, c'est un hôtel là. Amen. 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 Jacob allait dormir. Il a pris la pierre, il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Il s'est réveillé. Dieu a dit, dis amen. Mais là où il n'y a pas Dieu, ce sont des esprits. Les gens bâtissent les hôtels. Tu ne vois plus, mais il y a les esprits. Il y a des endroits ici où c'était les cimetières avant ils ont raqué. Vous ne savez pas, si vous n'avez pas donné l'histoire. Même si nous sommes là. C'est dit c'était dans la cimetière. Voilà. Ah, vous n'avez pas moi, j'ai demandé. Vous savez que les gens échouent dans cette salle-ci. Il y a des pasteurs qui sont venus avant nous, ça n'a pas marché. Cherchez à savoir l'histoire de là où vous êtes. Dis amen. Amen. Ne dormez pas avec ça. Le carrefour où tu es là, peut-être c'est le terre, je ne sais pas. Ou dans le carrefour, tous ceux qui viennent dans le quartier ne doivent pas réussir. C'est comme ça que le terre a été bâti. C'est quelle vie, il y a pas de temps, il y a pas de temps, il y a pas de quoi, il y a pas partout.
appelé Dieu, merci, il a dit comme le père, très bien, et le père s'appelle. Voilà. Je vais bien expliquer après. Hein. Vous suivez un peu mon message, je comprendrai mieux. Amen. Amen. Tu m'as bien saisi. Amen. Donc, je change de parler maintenant de l'autel satanique. Là où, où Dieu n'est pas invoqué, celui devient un autel satanique. Amen. 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 Celui est un autel satanique. Alors, donc, quand il y a autel satanique, c'est là où il y a l'invocation des esprits démoniaques. Amen. Amen. Alors, tu ne sais même pas l'histoire de 12e. Il y a des gens, leur village a été bâti sur des autels sataniques. Ils ont tué des gens, ils ont bâti le village. Et ça va. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Donc il faut chercher à connaître. Peut-être que la semaine prochaine, je vais vous montrer les stratégies de tarifier. Quand vous êtes attaqué, mystiquement attaqué, vous avez une agressivité. Ce n'est pas une question de dédicher, c'est ce qu'on appelle les révélations prophétiques. Quand vous allez dans un carrefour, à une certaine heure, c'est pour ça que les mystiques, vous savez, les mystiques, ouais, ils ont la révélation des choses de Dieu. Satan n'a rien. Hein? Il n'a rien de la moitié. Il n'a rien de la moitié. Ça vous fait bizarre? Ils ont seulement la révélation. Amen. 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 Abraham a fait hôtel. Les gens font hôtel. Les sataniques font hôtel. Ils n'ont rien inventé. Ils ont copié ça déjà. Amen. Il y a un pouvoir dans le carrefour. Je vais t'enseigner ça après. Le pouvoir des quatre vents. Les esprits des quatre vents. J'aurai l'occasion de vous expliquer. Il faut qu'on vous éclaire. Pourquoi les gens vont dans l'église pour apprendre les choses? Et que l'église doit éclairer les gens sur certaines choses aussi. Amen. Parce que si quelqu'un, il y a un hôtel plus puissant que ton hôtel, malgré ton nom de Jésus, il est tu. Amen. Ça vous fait bizarre. Amen. Je suis allé en Bro, dans un village, on dit Abraham. Il tue. Un prêtre est venu célébrer un culte. Il a prié, bénissons le Seigneur, notre Dieu. Il est sorti de l'église, il est mort. Il l'a enterré. Quand je suis allé dans le village, on m'a montré. Amen. C'est ça, toi. Frère, il y a des endroits. Si ce qui est en toi, ne dis pas non. La Bible dit que ce qui est en nous est plus fort, c'est que mon frère. Toi-même, quand tu regardes ta vie, c'est propre devant Dieu. Hein? Amen. Amen. Toi, mais tu es comme le disait que j'ai encore fort. Toi, c'est fait. Non, au nom de Jésus, il va te tuer, le démon. Il va te prendre et te tuer. Amen. Tu viens de critiquer. Et toi, ton nom de Jésus là-bas, venir tuer quel démon? Ça fait quelqu'un. Le démon me dit, vous savez que les esprits nous connaissent. Arrêtez pas qu'on me dit. Ils nous connaissent. Les gens qui les enfants ne savent pas, ils ont dit, au nom de Jésus que Pierre, Paul prêche. Ils disent quoi? Au nom de quoi Jésus que quoi? Nous on connaît Jésus, on connaît Paul. Vous vous êtes dit. Vous avez dit. Ils ont frappé sur des ennemis. On s'en couille. On s'en couille. Et ce délai, un démon possédé. Et tu frappes cette personne. Frère, il y a des endroits, si tu n'es pas prêt, il faut laisser l'hôtel. Il faut laisser ça. Il faut laisser. L'hôtel va te frapper, va te tuer. Amen. Amen. C'est pour ça que priez pour les hommes de Dieu, ceux qui sont dans le ministère charismatique, priez pour eux que Dieu les aide. Parce que par moment, quand on prie pour vous, c'est les esprits, ces esprits-là qui vous attaquent. Je suis allé dans le village, on m'a montré. Et c'était un esprit qui vivait du sang humain. Parce qu'au départ, le démon, l'esprit va vous faire comprendre que non, envoyez poulet. Et puis après, il va dire non, il s'en est la santé, pas du sang. Mon bon est devenu trop large, je ne veux plus. T'as dit non, mais ça fait un peu, deux peu. Après, non, c'est le sang de l'homme qui est tout, c'est sucré. Ça, ça va où je vais. Ça, ça va où je vais. Donc, l'esprit est là. Et tout le monde est convaincu qu'il est dans ce village-là. Quand vous avez vu la vidéo, ce n'est pas un montage.
C'est que vous avez vu où dans l'intermédiaire, j'ai cassé l'intermédiaire et j'orientais les gens pour Dieu les aide. Ce n'est pas un montage, c'est une réalité. Ils m'ont montré ça. Et puis ils m'ont dit, est-ce que tu peux? Parce que les gens te disent, tu peux. Parce que le notaire qui est là, frère, ça tu es prêt déjà. Amen. Donc c'est pour dire, c'est pas au nom de Jésus seulement, amen. Il y a des gens dans leur vie, quand tu les rencontres, leur hôtel te détruit. Amen. Vous savez, il faut faire très attention. Les deux unions. Il y a un frère qui dit, ah, papa, ma femme blanche, est-ce qu'elle ne comprend pas, mamie Dior? J'ai dit, c'est ton hôtel. C'est ton hôtel qui avait bibé la blanche ou ton hôtel. Elle me chasse après, elle me reprend encore, mais la voix, je ne comprends pas la neige. Sur ton hôtel, la nuit qu'on était venu, ah, la femme, elle me chasse. Les parents qui ont des chaises dans les maisons royales, qui ont des conneries là-bas, frère, ces esprits-là, il y a des réclamations. Je vais donner la question par là. Parce qu'aujourd'hui, on va déduire ça. Dis amen. 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 Et le chat a été dit, ok. Il dit que la chose a été déjà partie. Je suis allé prier. La même nuit, vers minuit 30, on tape à ma porte, d'abord ma fenêtre. Boum, 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 boum. Moi, comme je connais le pouvoir des esprits, je peux mal parler pour faire ça, mais sinon mon expérience, il n'y a pas deux ou trois pasteurs qui ont fait ça. Amen. Amen. Il n'y a pas deux ou trois pasteurs. C'est parce que vous voyez à Paris, qu'on prenait pour ça. Vraiment. Bientôt, j'ai tourné africain. Ça, je vous dis ça. Bien. Voilà. C'est à cause de l'église de Paris que je suis là, heureusement. Cette église était à Paris, elle a existé. Amen. C'est plus cher de venir à Paris plutôt que de construire une église. Mon ami a demandé, il dit, c'est moi qui vous envoie. Si elle a été attaquée, ils ont tout fait pour faire disparaître. Il dit, tout est dérivé. Amen. Mais tu es Pierre. Et si c'était Pierre, je bâtirais mon église. Amen. Amen.
Et j'ai levé ma main en l'air. J'ai dit, dans le nom de Jésus, la Bible déclare que Jésus est la parole faite chair. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je crois en sa parole. Amen. Luc 10, verset 19. Il m'a donné le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir à mon nom de marcher sur les scorpions et les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il dit, en son nom, je neutralise ton pouvoir et je te détruis. J'ai senti le poignet quand le poignet a fait beaucoup, j'ai écouté rien. Je suis assis au salon, rien. J'ai mis France 24, rien. J'ai même écouté rien. J'écoute encore, rien. J'ai dit, bon, ça, j'ouvre dans ma tête. Vous savez, quand vous avez la bouton, vous marchez un peu, quand quelqu'un qui a la bouton, je vois rien et tout, rien. Là, je suis parti. Quand je suis arrivé sur le terrain, l'esprit, je l'ai détruit l'esprit. Frère, il y a des villages. Si tu m'aimes, tu n'as qu'à l'homme le plus loin. Il y a des villages, frère. Tu m'entends, alléluia, amen, les abéas. Ils vont te faire sauce arrachée avec du riz, ils vont te manger. Amen. 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 Non, le feu, petit feu là. Ça m'a fait le dragon. Le plus craché de feu, c'est le dragon. Le dragon, toi ton petit feu. Le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, les combats, les corps. Mais ils vont faire chose à la Chine. Tu as compris? Je suis allé dans un village avec, dans un village avec Sandra. C'est là que j'ai vu le vrai visage des disciples. Les disciples, vous voyez là. Il y a des disciples. Mon nom, Marie-Charles, où c'est qu'il est? C'est dans ce village. Les gens sont allés prendre fétiche, les ancêtres. Quand avant, c'était la guerre des hôtels, il fallait avoir un puissant pouvoir. Nos parents sont allés libérer. Ils sont allés prendre fétiche dans une famille. Oh, le fétiche là, c'est un puissant aussi dragon. D'abord, c'est les yeux, on donnait. Les yeux. Le diable est trop intelligent. Oh non, c'est les yeux. Il a vu que les places avaient donné le papier. Il veut donner ce qui porte un dog. Ils ont donné les yeux. Après, c'est le mouton. Cabri. Il me dit, il ne veut plus les cabris. Il veut bœuf. Les bœufs sont venus. Après, c'est l'homme. Donc, les gens meurent. Et quand les gens meurent, les gens, ils voient ça. Vous voyez, quand vous avez des hôtels dans votre famille, quand vous avez des hôtels dans la famille, vous voyez ça dans vos rêves. Vous voyez ça dans les rêves. Souvent, vous voyez de l'eau. Ça veut dire que les ancêtres avant ont adoré de l'eau. Et c'est dans ta famille d'une manière subtile. Et dans ta vie d'une manière subtile. Amen. Vous voyez dans la forêt, vous avez l'impression, comment toi tu es pas en France ici et tu es dans la Bruxelles. Comment toi tu es en France et ton esprit est toujours au bled. Pourquoi tu comprends ça? Tu t'es jamais vu faire de la tour Eiffel. Tu t'es jamais vu sur les champs. Tu t'es jamais vu dans le métro. Mais tu es toujours au village. Et dans les trucs bizarres. Frère, ça veut dire ton esprit attaché à nos têtes de l'être. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Tu ne fais jamais rêver où tu es. Et des rêves bizarres. Oh, souvent tu montes du rêve à des morts. Ça veut dire qu'il y a des gens là, il y a des gens dans leur lignée et ils adorent les esprits de mort. C'est dangereux. Ça veut dire qu'il y a des familles, eux ont des qu'on appelle des champs où c'est les crânes des morts. Ça c'est les hôtels. Quand vous avez ce genre d'hôtel, vous allez forcément voir des esprits de mort dans votre vie. Un mort doit vous communiquer. Dis amen. Amen. Non. Réfugiez ça. Même s'il est de vos parents et famille, non, il n'a plus de contact avec vous. Il est privé de personne de mourir une fois. Après quoi, vient le jugement. C'est tout. C'est l'esprit de Dieu qui doit te parler. Je suis désolé. Non, mais on va pas parler. Hein. Il m'a dit de parler à rien. Tu vas me voir. C'est un Amen.
derrière ça. Ce sont des esprits, des ténèbres. Amen. Amen. Ou est-ce que tu es dans l'eau? Ou bien quand tu as l'impression que tu es, excuse-moi, tu es en lion. Tu as des choses bizarres avec nous. Ou un vélo, même tu prends seulement des vélos. Comment tu réussis de donner même vélo bicyclette dans le rêve? Vous comprenez? Amen. Les rêves, vous faites là. C'est ce qu'on appelle songe. C'est des messages. Mais comme vous ne savez pas décider le message, vous ne comprenez rien. Mais c'est des messages. Et souvent, tu te lèves, et tu ne comprends pas. Tu as tissé. Amen. Amen. Vous avez prié pour que Dieu vous donne l'explication des rêves. Amen. Et avant de prier, avant de dormir, priez pour que Dieu vous enseigne. Amen. Amen. Alors, dans le village, les gens commencent à mourir dans la famille, les gens commencent à avoir peur. Or, l'esprit dit toujours que c'est le fétiche qu'on a envoyé. C'est-à-dire que tu l'es. Amen. Amen. Vous avez fait dire ça. Tu peux envoyer, mais comment faire par qui? Témoignage, tu vas rendre de ça. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. J'ai toujours dit, la dernière fois que j'ai enseigné, la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deutéronome le chapitre 20, à partir du verset 3 et du verset 5, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier commandement que Dieu donne à Israël, Dieu maintenant est très. Il dit non, je suis le seul que vous devez avoir comme Dieu. Dis Amen. Amen. Vous m'avez saisi. Amen. Il dit, je suis le seul Dieu. Ah, il dit encore, comme peut-être vous ne me voyez pas, mais vous ne tenez pas. Et nos représentants sont des choses qui existent dans le ciel. Vous comprenez? Des images taillées. Je vous dis, frère, si tu vois, tu prends une photo, tu dis c'est Jésus. Qui est possédé. Je vais te choper ce matin. Amen. Est-ce que tu as demandé d'aller mettre sa photo? Regardez la première la Bible. Et puis regardez dans le Nouveau Testament. Depuis quand Jésus a dit, si tu es là, prends ma photo. Et sinon lui met la lettre sur sa photo à tout le monde. Il n'y aura pas de là. Tu te convertis même pour ça dans ta main. Hmm? C'est quelle photo tu as? Ce n'est pas Jésus. Les autres sont allés faire des acteurs de cinéma. Leur image, c'est ce que vous me dites, j'ai dit, Seigneur Jésus, le Seigneur, c'est de l'idolâtrie. Or, la seule chose qui chasse Dieu d'une famille, c'est l'idolâtrie. Le jour où tu vas commencer à laisser le véritable Dieu d'Israël, moi je ne dis jamais le Dieu de mes pères. Non, mes parents, qu'est-ce que le Dieu de mes ancêtres, qu'est-ce que c'est? Ça fait qui chez l'homme? Amen. Le Dieu de Mésaïe, quel a eu? Quel est le Amen. Il dit le Dieu d'Israël. Voilà, moi je sais que c'est le Dieu d'Israël. Mais le Dieu de Mésaïe, quel a eu? Mon aïe n'est pas. Dieu m'a fait la grâce de connaître le Dieu d'Israël. Mais ma aïe, là, il y a un sang. Mon sang, ce n'est pas le sang d'Abraham d'abord. Même s'il a été racheté par le sang de Jésus. Mais ça vient de quelque part. Faut pas se tromper. Quittons dans les rêves. Amen. 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 Je viens nous expliquer. Quittons dans les rêves. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est ça que quand vous avez dans une maison, vous avez un sanctuaire, vous avez des prix, vous avez des images, et vous dites que c'est Dieu. Dieu s'approche pour quitter vos maisons. Il quitte. Je vous disais que le péché ne chasse pas Dieu d'une maison. Non, Dieu arrête d'envoyer sa bénédiction quand il a péché. Amen. Non, il arrête. Parce que la bénédiction est conditionnelle. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique les commandements, voici. Donc si tu bénis, le Seigneur te bénit. Mais il va t'attendre. Du coup, c'est ce que tu te répondes. Mais la seule chose qui chasse Dieu d'une famille, d'un continent, d'une maison, c'est l'idolâtrie. Le jour où tes parents envoyaient un esprit, c'est-à-dire une représentation de Dieu que la famille commence à adorer, Dieu quitte la famille. C'est fini. Et ça va. C'est ça. Voici le problème que Dieu a fait. Nous avons des bénédictions, on ne peut pas les exploiter. Parce que Dieu n'est pas là.
Quelqu'un me disait, non, pour faire création, toi tu parles des dieux des blancs. J'ai dit, mais quel dieu des blancs? Non, pour Jésus, là, c'est pour les blancs. J'ai dit, bon, quand tu vois les blancs, ils ont pas développé. Oui. Bon, notre dieu, là, on a l'or, on a manganèse, on a quoi? Bauxite. On a quoi tout? Le fer. Notre dieu, là, nous a développé. Maintenant, il faut qu'on retourne aux cultures. Quelle culture? Culture d'aller offrir Kabi à forêt. C'est dans ça où vous voulez. Ils étaient là, sur les enchaînaient comme des tarzans, les envoyés. Parce que quand Dieu se loue d'une famille, d'une nation, d'un continent, frère, c'est les ressources de cette nation, c'est d'autres personnes qui viennent l'exploiter. Amen. Le jour où Dieu s'éloigne d'Israël, le peuple ennemi prend le dessus sur Israël. C'est ça que le jour où tu seras en désaccord avec Dieu, où tu seras en désaccord avec Dieu, l'ennemi aura du terrain sur ta vie. Amen. C'est pas question d'avoir le prophète à prier, mais depuis les instructions ne vont pas encore partir. Mon frère, il y a ce qu'on peut compris, et puis il y a ce que toi tu dois faire. Mon Dieu, c'est ça. J'ai prié pour toi. Tu as jugé comme des gens. Hein? Prenons Dieu au sérieux. Pour que Dieu te bénisse. Il a même dit à Israël, comme vous disiez, Deutéronome 28, le verset 7. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu auras la victoire sur terre. C'est Dieu. Amen. Tu veux dire comment dit, toi tu dois avoir victoire, c'est qui? Oh, le cœur du monsieur est plus puissant que toi. Toi, tu as seulement le nom de Jésus. Mais rien. Tu ne peux pas dire, oh, il n'y a pas de terre où il n'y a pas de sacrifice. Quelle est ta part de sacrifice? C'est ton obéissance. Je vais revenir à l'esprit tout à l'heure. Amen. Amen. Je vais revenir à l'esprit tout à l'heure. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Je reviens un peu en révisant un peu les choses passées. Au nom de ton prix pour moi. Donc, mon frère, il y a ce qu'on peut faire pour toi. Il y a ce que ta vie peut t'apporter. Amen. Est-ce qu'on m'a compris? Amen. Si tu penses qu'on doit prier pour toi et tu n'arranges pas ta vie, l'hôtel va te manger. Manger. Elle sort ce qu'on peut être placard, il mange. Où on met crabe dedans, tout ça. Bah, t'as dit, c'est pas la manière de faire. Quand tu finis un long gel, mets un peu de follow dedans, brochet. Tu n'as même plus envie de visiter quelqu'un. Ce jour-là, tu as l'esprit de méchanceté qui marche. Et Dieu nous aide. Amen. Amen. Alors, bon, l'esprit est là, et ça traînait les gens. Pardon, homme de Dieu. Pardon. On veut que l'esprit parle parce qu'il nous parle. Et l'esprit vient de parler. Vous dites, vous voyez, le rêve de nos parents, ils n'adorent plus ça, mais l'esprit réclame. Son œuf. Et pétard. Oui, cabri. Bon, il n'y a plus cabri. On prend Zadie. On le mange à la place du cabri. Parce que l'hôtel s'adore avec du sang. Amen. Amen. C'est pour ça que quand tu envoies, quand tes parents envoient un mouton, ils vont le demander, il faut qu'il passe sur le mouton d'abord. Qu'il mette sa main. N'est-ce pas? Une commune en mettant sa main. Vous savez, quand les gens, pour qu'aujourd'hui on a des passeports biométriques, parce qu'avant les gens, nous les noirs, on a aidé beaucoup les blancs, que Dieu nous aide. Ah, nous les noirs, on est trop fort dans la pacification. Tu ressembles à Afoué, comme c'est ta grande soeur, tu prends son passeport. On dit, mais les blancs disent, vous envoyez les entiers. Je dis non, hein. Où le bébé t'es marié? Non. Marie est avouée, c'est plus l'âge que t'es marié. Donc, pour bien faire, ils ont envoyé le passeport biométrique. C'est unique. Amen. Amen. Tes empreintes digitales, c'est le seul qui a ça. C'est pas Dieu. Heureusement que Dieu nous aide. Amen. Amen. La technologie fait des œuvres. Envoyez son mal, les gens l'ont envoyé. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. C'est les blancs qui ont dit qu'ils sont mauvais. Ils nous aident. Quand ils m'ont quelque part, je suis en train de parler mal de nous, mais nous on a un esprit souvent tordu. On a un esprit souvent tordu, on est toujours être dans le fond. Et puis on est des gens. Beaucoup sont ceux qui sont en train de passer les parisiens. C'est ce qui est vrai, amen. Amen. J'ai rentré sur un faux fondement. Elle a faux. Puis tu veux réussir en français.
Là, depuis que je suis venu, il n'est pas encore réussi. Quand le fondement est renversé, le juste s'y reste. Le fondement est renversé. Vous n'avez pas encore compris ça? Amen. Amen. Hein? C'est venu sur la base du faux. Tu ne vas pas pleurer. Toi, tu es content. Ça te rattrape. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. On me comprend bien? Amen. Bon, ils sont en train l'esprit pour comprendre bien ce que je veux commencer. Amen. Parce que les esprits vous regardent, ils sont là, ils vous regardent. Et ils ne répondent pas. Ils n'ont pas d'âge. Comme je disais, les tabus qu'on envoie, qu'on met la main là-dessus, c'est le sang. Or, l'âme se trouve dans le sang. Donc, c'est la vie du papa qui dort. Sa vie qui dort. Lévitique, chapitre 17, verset 11. Que l'âme se trouve dans le sang. J'ai parlé hier avec quelqu'un, mais excusez-moi, c'est vrai qu'il y a des enfants ici. Le sperme que vous voyez, c'est blanc, non? Hein? Amen. Hein? Amen. Mais c'est le sang. C'est le sang. Et la personne me disait, mais pourquoi? Excusez-moi, pourquoi c'est blanc? Il dit parce que c'est pur. Dieu est blanc. Quand ça veut produit, ça devient rouge. Parce que le rouge, ça veut dire vie. Et la personne s'est ressaisie dans la réalité. Il dit, il y a des choses que vous devez connaître. Amen. 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 Donc c'est le sang. Et donc c'est le sang qui est ta vie. Combien sont nos parents qui ont livré leur vie dans l'ignorance aux esprits? Vous m'avez saisi? Est-ce que vous me saisiez un peu? Amen. Ça va? Ça va ce que j'ai dit? Ça va? Donc, l'âme se trouve dans le sang. En mettant là. Donc, c'est le sang de ta famille. C'est une représentation qui est l'animal. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu. On l'a représenté en agneau. L'animal, la bête qu'on envoie sur l'autel, c'est ta famille. C'est la vie de ta famille. Qu'on y mord, ce qui nourrit le père, c'est le sang. Donc c'est le sang de votre famille. Quelqu'un a mené sur l'autel des esprits. Et quand on prie ça, ils réclament. On m'a bien saisi. Amen. Ils sont là. Vous êtes allés les chercher. Vous les faites partie. Il y a un seul pouvoir. Dis Amen. Amen. C'est la puissance de Jésus. Amen. Dégagez. Amen. Toi-même, sans le savoir dans l'ignorance, tu suivais la culture de tes pères. Malheureusement, selon qu'on a attiré, on a cette tradition-là. Le suivre la culture, tu as fait aussi la même chose. Ah! Tes enfants sont affectés par ça. Ah, ça fait rien de ce qu'on a dit. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus. J'ai un musulman qui. J'ai un musulman qui pense. J'ai chaque jour essayé de laver. Allez, prie. Le diable s'en fout de ça. Amen. Je vais t'expliquer. Donc, j'ai tenté de parler de mon histoire. On veut me demander pardon. Prophète. Pardon. Homme de Dieu. Ils vont nous manger. C'est-à-dire, ils ont plus. Et nous, une délégation pour dire, nous, on ne peut pas. Je dis, pourquoi vous l'avez pas, c'est pas vous. Et puis, il a dit le nom de Dieu avant. Et puis, il était guéri, lui, c'est même démon. Et puis, ça tout le village. Mais ça n'a pas profité qu'à lui. C'est-à-dire, ils n'ont pas pensé à leur progéniture. Or, souvent, même dans votre famille, les gens ont vendu le mariage aux esprits. Vous mettez en coup, c'est bizarre. La femme devient comme un dragon, un monstre. Au départ, c'était je t'aime. Maintenant, laisse-moi. Laisse-moi. Pourquoi tu me dis toi je t'aime? Vous pouvez partir dormir, vous faites. Le dos est là-bas, le dos est là. Et puis, c'est comme mur de Berlin. Heureusement, c'est cassé aujourd'hui. Mais il y a un mur de Berlin dans la chambre. On n'a plus d'attirance. Amen. Amen. Le lit n'est pas un camp de prière. Le seul endroit de prière, c'est en dehors du lit. Quand tu es dans le lit avec ta femme, c'est de l'embrasser. Amen. Amen. N'amenez pas la sainteté dans le lit. Amen. Bon,
pantalon, tu es possédé, allez, fais chez toi. Tu dois dormir ta femme, mon frère, il faut te mettre en péril d'avant. Parce qu'on ne sait jamais. Le jour a besoin de toi, mon frère qui t'en va. Le jour a besoin d'elle. Mais c'est la vérité. Ta femme t'habite, vous lui dites, mais on n'est pas dans un dojo. Ici, c'est pas quand de prière. Ici, c'est le lit. C'est la vérité. Amen. Il faut croire ta robe de lit. Même si on en libère. Payez la couette, je viens. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit amen. Amen. Le coin où on s'habille, c'est là-bas au salon, ou même dans la chambre, un endroit. Une fois on monte dans le lit, mon frère, il n'y a plus de lit, papa. Seigneur, viens, non. Le Seigneur ne va pas venir là-bas. C'est toi et ta femme, vous nous embrassez. Tout ça, c'est dans le lit. Amen. Or, quand ce n'est pas fait dans le lit, c'est qu'il y a un esprit là. On m'a dit, c'est dit. Amen. Amen. C'est qu'il y a un esprit là. C'est qu'il y a un esprit. C'est qu'il y a un esprit qui se manifeste. C'est pour ça que Dieu nous aide dans le couple, dans le foyer. Il y a des choses même. Peut-être que tu ne maîtrises pas. La nervosité, on est fâché, on devient bizarre et on ne comprend pas à cause des hôtels dans le milieu. Or, l'hôtel que vous voyez, c'est l'endroit de servir le renseignement. C'est à partir de là que toute la sorcellerie a des informations. Chez toi. C'est une piste d'atterrissage des esprits. C'est parti de là qu'ils ont toutes les informations sur vous. Est-ce qu'on m'a bien compris? L'esprit doit rentrer. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. 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 Donc quand ça commence à être bizarre dans le groupe, attaquer les hôtels. Oh, mon frère, mon mari, c'est un hôtel qui entend de parler, c'est un hôtel, délivre-le. Quand la femme commence à être bizarre, c'est un hôtel. Amen. Dans le foyer, quand deux personnes s'aiment, doivent manifester ça. Donc c'est tout. On doit se dire, on t'aime, on doit faire ça. Mais il y a les hôtels qui créent, n'est-ce pas, une atmosphère bizarre. Après que comme on a, il n'y a plus d'attirance. Tout est bizarre. L'autre fait quelque chose, on est fâché. On est énervé. On est fâché. Et tu as l'impression que c'est l'Irak. Ensemble, ils ont bagarre. Et puis souvent on dit, je ne sais même pas ce qui m'arrive. C'est le thème. C'est le thème. Ah, le problème, c'est les conséquences, c'est les enfants. Et quand là, il y a les hôtels, les enfants qui naissent de vous, ils sont bizarres. Ils ont des maladies bizarres, qui viennent bizarres. Et donc, comment tu te poses la question? Il fait quoi Dieu? C'est pas Dieu. Hein? C'est la récompense des hôtels. Hein? Amen. Amen. Est-ce que ma bien, c'est ça que vous comprenez? Amen. Qui me comprend? Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. C'est bon. Nous devons beaucoup prier. Amen. Amen. Voilà, nous devons beaucoup prier pour être délivrés de beaucoup de choses. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'esprits. Amen. Alléluia. Amen. Les Africains, je pose la question. Pourquoi les Africains, nous les Africains, quand nos enfants naissent, on les met des ceintures, les amis. C'est pour le protéger. Vous avez un blanc, il ne grandit pas. Il ne grandit pas. On dit, on met quelque chose dans le bras pour qu'il y ait des dents. Qu'est-ce que c'est ça, papa? Donc, vous savez, l'enfant et les bébés, on apprend déjà les suites d'amulettes. Comment se protéger? Quel enfant africain est né, on le purige. On le purige. On le purige. Tu le dis, les têtus qu'on cabine. Amen. Il y a des gens même qui prennent la main du joueur. Il vient dans l'Europe. Il y a des campements, quand tu vas évangéliser, tu vas compter du joueur. Il y a 78. Ah, il y a 78, c'est le bébé. Plein de niveaux. C'est pourquoi. Je ne dis pas que non, ça ne soigne pas. Je demandais de parler. Pour vous dire, il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles. Mais on met ça comme une tradition dans la vie. Vous voyez? Ou bien on met l'os d'un animal dans l'eau.
Pour qu'il n'y ait pas la force. Maintenant, il te frappe, il te casse. Attends, il a cassé tes lèvres. Je ne sais pas gâcher. Nous, on a quelque chose. Mais payer les calcium et les médicaments à la pharmacie qui peut donner la force à un enfant dans les os. L'os, là, tu sais, Christ est guéri. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous mettez le placenta. On dit, non, c'est la grand-mère, la mémé qui va l'enterrer. Elle va enterrer le placenta de l'enfant. Vous savez ce qu'elle dit? Elle enterre. Parce que pour enterrer le placenta, il y a une parole qu'on doit prononcer. C'est ça qui détermine la destinée du bébé. Amen. 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 Je fais du royaume parce que la terre enregistre. Terre, terre, écoute mes paroles. Nous dit Jérémie, terre, la terre enregistre. Nos parents, cette révélation, c'est ceux qui font libation. Parce que la terre, ouais, ça a des oreilles. Je vais revenir encore sur les mystères de la terre après. Vous allez enseigner un jour les mystères de l'eau. Je révèle sur la mystère de la terre. Amen. C'est là que je suis pas mal. Mon parent, on sait dans leur mœurs. Ils n'ont pas venu venir à l'église. Et ils parlent. Ils s'agit. Vous avez bien compris? Amen. Alors je reviens sur mon histoire. Et donc on me supplie et je m'en vais. On prie. On dit, à un moment ou l'autre, l'esprit peut apparaître. Or, l'esprit, eux, ils ont localisé, ça c'est quelque part, on a localisé. Tout ça. On a localisé l'esprit. On bâton, ça, ça, ici. Qu'est-ce que c'est? Un mois après. Combattant ça, tu voulais poser quelque chose? Oui. Vas-y. Parce que là, vous avez parlé de destinée. Oui. Du au placenta. Si. Oui, parce que. Et là, la spiritualité a quel lien avec. La spiritualité. La spiritualité a déjà déterminé la destinée. Oui, mais il y a une destinée orientée. Comme la personne n'est pas de Dieu. Tu comprends? C'est avec Jésus-Christ qu'on a une destinée certaine. Il y a le destin. Et la destinée de l'homme dans le jardin, c'était pourquoi? C'était pour lui de ne pas mourir. N'est-ce pas? Vous connaissez bien la vie? Oui. C'était pour ne pas mourir. Mais qu'est-ce qu'il a envoyé à mort? Ils ont désobéi. On est d'après ça? Sinon, la vraie destinée, c'est que l'homme ne meurt pas. Sinon, Dieu les a créés dans le but qu'il ne meurt pas. Pourquoi il y a eu la mort après? C'est-à-dire, l'homme même peut détourner, détruire sa destinée. Le jour. Dieu a parlé à Moïse, il dit, tu iras avec ce peuple à Canaan. Vous connaissez ça? Oui, oui. Amen. Quand Moïse a désobéi, il n'est pas en vrai. Vous êtes d'accord? Vous avez menti? Non. Donc là, avec le placenta. Il peut orienter, donner une autre orientation à ta destinée. Ça, c'est Dieu. Non. Ça, c'est les humains. Avec le pouvoir mystique. Avec le pouvoir mystique. La preuve que quand tu nais, je vais toucher ce qu'il dit, quand tu nais, effectivement, tu n'avais vu de toi. Il sait que ton père est un. La preuve, c'est que Hérode avait été l'étoile de Jésus. Tout le monde naît avec une destinée glorieuse. Amen. Mais un mystique dans le spirituel, il dégage à le voir, il est un. Et puis, tu as l'impression que ton encoule est un. Toi, tu sais qu'il marche, tu m'as dit, tu es dans le noir. Et regarde, papa, moi, on ne voit pas. Aucun homme ne dit psst. Je marche même, je marche, il n'y a personne. Je regarde. Tout le monde me dit non, hein. C'est mon pneu qui est gâté, qui est en train de. Et là, toi, il y a un vélo. Amen. Amen. On peut orienter ta destinée. Il y a déjà mis avec les sorciers. Alors, le pouvoir, est-ce qu'on me suit un peu? Amen. J'espère que tu es béni par le message, ça va? Amen. Qui est béni? Qui a pas le Seigneur qui est béni? Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Ok. Alors, l'esprit était là. Et quand l'esprit est là, on sent. Eux, c'est qu'ils sont dans une famille, et puis, eux, ils voient des choses. C'est-à-dire toi-même, il voit des choses pathétiques, extraordinaires. Le coin chaud, ça bouge. Moi, je suis maréchal. Bon, je ne sais pas encore maréchal, c'est là mon nom. Donc, j'ai dit, donnez-moi pioche. Le gars m'a dit. Vous voyez, c'est-à-dire le gars même t'envoie qu'il doute de toi. Vous voyez, c'est-à-dire, il doute même de toi. Et il est convaincu que ce n'est pas un amusement qui t'entend les faits. Tes histoires des assorciers pour parler. Ici, là.
n'est pas sorcier pour parler. C'est une question de pouvoir mystique. C'est tomber dans l'action et puis dire, papa, faut faire attention. C'est dangereux. C'est-à-dire, il ne te crée pas la motivation. Donc, il m'a envoyé à l'abattoir au nez. Qui m'a envoyé là, c'est à l'abattoir. Oh, tu pleurais, viens. Bah, je vais me le convaincre. Et puis, moi, il dit, si je suis en train de tuer, avant de guérir. C'est ça qu'il faut que tu nous aides à saisir la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons la parole dans nos cœurs, que nous marchons selon la parole de Dieu pour comprendre que le diable, autant que nous marchons dans la, selon la parole de Dieu, aucun esprit n'a le pouvoir, ne rend le pouvoir sur. Jamais. Dis à quelqu'un jamais. Jamais. Toute fois que tu marcheras selon la parole de Dieu, aucun aucun esprit n'aura une influence sur toi. Amen. Alors j'ai commencé à donner pioche. Pioche, j'ai donné la main, il est dandiné. Le gars, il s'approchait un peu. Et donc je lui ai dit, aide-moi. Je l'ai dit, non, aide-moi. Donc lui-même, il a pioché. Il a projeté. Il y a des choses, frère. Il y a des choses que j'ai vécu moi-même. Je lui ai dit, Dieu est vivant. Amen. Il y a ces esprits qu'on voit ici. Et puis il y a les esprits qu'on voit au village. C'est deux choses. Moi, j'ai commencé dans le village. Je suis venu faire église ici. On va établir les gens. Je continue ma mission. Amen. 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 C'est comme ça. Sinon, moi, ma mission, c'est l'Afrique. Et très bientôt, j'ai une tournée africaine. Je vous précise ça. Très bientôt. Je veux toucher le Sénégal, je veux toucher le Congo, je veux toucher le pays, je veux toucher le nord de la France, je veux toucher le Mali, je veux toucher. Bientôt, je dois amener l'Afrique à comprendre qu'il y a, faut qu'on se détourne de ces idolâtries et qu'on s'attache au véritable Dieu. Pour que nos ressources nous reviennent, pour que l'Afrique puisse exploiter ses ressources. Amen. Vous allez au Bénin, il y a un hôtel à Cotonou. On est tel, personne ne peut casser ça. Les gens dévient ça. C'est en plein Cotonou. Je suis allé faire une croisade. D'abord, j'étais déjà invité, mais très bientôt, j'arrive au Bénin. Bénin, il y a le prophète. Il fait, moi, je ne suis pas dans mon goût. Si j'étais dans mon goût, alors, je mors. Parce que c'est lui qui est vu. Vaudou ne peut pas faire ça. Amen. Amen. Vaudou ne peut pas faire ça. Parce que si tu as un pouvoir mystique, un autre pouvoir te freiner. Amen. 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 Alors, quand il a bougé, il a vu que c'était sérieux. Moi, j'ai dit, on était déjà des gens. La maison était déjà magnétisée. Vous savez ce qu'on a magnétisé? Ça veut dire que tu ne peux plus bouger. Tout est bloqué. Donc, j'ai commencé à creuser. On a versé. Pouf! J'ai voulu toucher. Parce que la chose voulait sortir. J'ai voulu toucher. Moi, mes deux mains, mes deux bras, vous voyez, dans un petit trou, c'est rentré. Et que Dieu nous aide. Amen. Tout le monde est là, je réfléchissais. C'est moi que les gens traitent comme ça dans la boue. Ouais. Mes deux mains, deux bras, ça y est là, l'épaule, se retrouver dans un pays. Les Africains ont des pouvoirs, frère. Nos parents ont des choses. Mais quand c'est plus mal. Sinon, il y a des choses, hein. Comment comprendre qu'il y a des choses qui se retrouvent dans une bouteille? Tu comprends pas comment c'est rentré dedans? Mes deux bras, c'est pas question de combat. Mes disciples étaient là, combattons ça. Feu. Quand mes deux bras se sont retrouvés dans le trou, combattons ça. Amen. J'attendais ça très loin. Plus personne ne parle. Heureusement qu'il y a un pasteur près de moi pour dire tu peux. Parce que mon cœur voulait s'arrêter. Mon cœur voulait s'arrêter. Parce que ça avait touché mon cœur. Mon cœur voulait s'arrêter. J'étais électrocuté. C'est-à-dire, c'est pas quelle tension ça. Quelle électrocuté. Moi-même, je tremble. Mais Dieu me dit, c'est là, frère. Il y a fait de Jésus, puis il y a au père qui est à toi.
Amen. C'est pas le petit frère. C'est le père. Mais non, le Jésus. Le, au nom de Jésus. Ah, mon frère. C'est au terre. Tu sens ton son territoire. C'est pas moi qui l'ai envoyé. J'ai mis la mairie comme ça. Et puis il va me laisser. Hein? Je l'ai senti. S'il n'y a rien en moi qui est plus fort que lui, il me tue. Amen. C'est pas que je. Mais maman, c'est pas si il a depuis que tu me vois. C'est quelque chose à peu près maintenant, 6 ans. C'est ça, Jésus. Il faudrait maintenant traiter ce qui est en moi. L'alliance qui existe entre moi et Dieu, c'est ce qui est en train de traiter avec le tel qui était là. Frère, c'est plus maintenant une question du nom de Jésus. C'est une question. Le passé qui était près de moi, parce que Aquilas, il me regardait. Lui m'a commencé à pleurer. Les disciples ont fui. Combattons Satan. Ils sont partis. Sans fusiller, sans épée. Combattons Satan. Moi, mais écrit. Ça veut dire que tu écris. Et je suis là. Et moi, il dit, mon bras, quand ils ont entendu ça, ah, le patron lui a mis la chose. Donc nous-mêmes, on va commencer à se débrouiller. On va commencer à partir doucement. On va être là-bas derrière, là-bas. Mais quand c'est comme ça, elle met l'oreille. Non, mais mon père, elle met l'oreille. Comme ça, là, c'est pas. Qu'est-ce que c'est pas? On dit, mon frère, il faut venir intercéder. Non. Il est derrière, maintenant, ces informations, il cherche. Il fallait maintenant que mon alliance, c'est-à-dire l'alliance, Dieu regarde, le démon il regarde, ma relation avec Dieu, mon hôtel avec Dieu, le prix que j'ai payé pour le ministère, c'est ce qui est en train de se rencontrer, hôtel contre hôtel. Mon hôtel a foudroyé son hôtel. Amen. Dans ma prière, je dis Seigneur, oh l'hôtel est le lieu de souvenir. L'hôtel, c'est un lieu de souvenir. Je rappelle au Seigneur, tu sais comment le prix que j'ai payé pour toi. Tu sais quelle est l'alliance qui existe entre moi et toi. Quand j'ai dit ça, je n'ai plus fait sortir le fétiche. Amen. Amen. Frère, c'est pour ça que la Bible dit, pour entrer dans la maison d'un homme, il faut que l'esprit soit d'abord lié. Parce qu'il y a un esprit qui contrôle ses hôtels. Vous pensez que le travail qu'on fait, c'est facile? Ah, le prophète, les gens, comment est-ce que... Fais ça deux jours. Le démon va boire ton sang. Il y a des villas où tu rentres, puis tu sens derrière ta maison. La voiture, les esprits sont là. Je suis allé à Zéribouille dans un village. Il y avait un sorcier appelé Koubou Ndaba qui tombait. Sorcier. Pour peut-être rien du moins. Koubou Ndaba qui tombait. Il n'y a pas de lumière là-bas. Mon salut, t'es venu, madame, c'est normal. T'es venu pour les sorciers. Moi, je suis venu pour ça. Il faut les attraper. Hein. Bon courage. Et on te dit courage. T'es venu pour les sorciers. Et lui, les entraîner. Bon courage. Mais ce qu'ils vont te montrer. Amen. Amen. Ce qu'ils vont te montrer, toi dans le témoignage. C'est pour dire, quand tu vas prier pour une même personne, les hôtels de cette personne vont t'attaquer. Si ce qui est en toi n'est pas fort, ne dis pas seulement, la Bible dit, ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Mon frère, oui, c'est ça. Là, c'est la littérature. Il est bien versé de lui. Est-ce que toi-même, c'est qui en paix? C'est qui en paix? C'est qui toi en paix? C'est ça conduit une œuvre à aller diriger les gens. Moi, j'ai pris pour les dirigeants. Frère, quand tu n'es pas la tête d'une nation qui critique le président, vous savez quels esprits les attaquent? Vous savez quels esprits les attaquent? Non. Il y a des esprits anti-développement. Qui attaque un président, il fait bien sa campagne. Il est bien parce que les gens ont cru en lui. Mais du coup, n'arrive pas à réaliser. À cause des esprits de la nation, c'est bien comme ça. Malheureusement, ces gens-là, ils sont quelque part de peut-être. Ils devaient associer des gens qui brillent parce qu'ils s'en vont de paix. On ne peut pas
accéder à un grand pouvoir sans la puissance de divinité. Amen. Sans la force d'un esprit. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Amen. Quelqu'un a pouvoir prier pour lui. C'est ça que la Bible nous conseille de prier pour eux. La Bible de prier pour nos autorités. On n'a pas de les insulter, de les vilipender. S'il vous plaît, prions pour nos autorités. Heureusement, je suis très loin de la politique. Heureusement. Heureusement. C'est vrai qu'on a des préférences. Amen. Amen. Mais c'est Dieu qui fait son choix. Hein. Amen. Pourquoi c'est lui, mon frère? C'est Dieu qui a mis le cœur. C'est pour ça qu'il ne faut pas te plaindre. Aucune autorité n'est établie sans Dieu, sans l'aval de Dieu. Amen. Sans l'aval de Dieu. Et celui qui combat une autorité combat Dieu. Même s'il est païen, même s'il est franc-maçon. C'est comme ça, c'est son problème à lui. Mais c'est Dieu qui l'a établi parce que Dieu veut l'utiliser pour un développement d'une nation. Amen. Tout Amen. Ce que tu peux faire, c'est de prier pour lui. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Les gens trouvent ça bizarre, mais c'est notre, le rôle d'un chrétien, c'est de prier pour les gens. C'est pas vrai, monsieur. Aujourd'hui, malheureusement, à cause de Facebook, on insulte les gens. Tu vois, je me suis en train d'insulter le président de la République. C'est-à-dire, le gars, il me clash, comme si c'était son camarade. Mais c'est un péché très grave. Et désolé, en cas de laisser, mais tu peux juste prier pour lui? Ah non, je n'aime pas. Bon, Dieu l'aime, il a choisi. Ton premier Dieu. Ah, Dieu m'aime. Dieu m'aime comme Dieu. Comment il fait ça? Mon frère, Dieu sait pourquoi il l'a fait. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais Dieu les bénit. Dieu sait pourquoi il fait ça. Amen. La seule chose qu'on doit faire, c'est là. Dis amen. Amen. La personne qui sait se mettre en genoux aura toujours le pouvoir céleste. Amen. Le pouvoir de Dieu. Tu n'as pas une force en toi. Tu n'as pas quelque chose de très fort en toi. Tu vas sur un territoire où il y a des esprits, des hôtels, ils vont te tuer. Amen. Regarde, les personnes sont à l'hôtel, le monsieur est mort. C'est l'hôtel qui l'a fait. Amen. Amen. J'ai dit, mon message est venu pour chasser les esprits. C'est bon, hein? Quand il dit c'est bon, là, c'est pour dire bonne arrivée, sinon tu vas voir la nuit, hein. On va venir. Hein. Yoka, oh, yoka. Vous les connaissez? Oh. Ce qu'ils vont te montrer, il n'y a pas un sorcier qui n'essaie jamais. Ça n'existe pas. Il essaie de dire encore. Il faut être bien, bien. Après de Jésus, il ne faut pas ménager. Il ne faut pas aller prendre ses trucs pour mettre ça. Il ne faut pas prendre bague pour mettre. Hein. Il ne faut pas aller prier dans un coin bizarre. Hein? Sinon, si la vie c'est en toi, oh, il t'a tué. Non, il t'écrit. Non, la Bible dit que aide-toi, le ciel perdra. C'est quel verset? La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc, c'est l'unique vrai Dieu que le Dieu d'Israël que tu dois avoir. Ce qui l'a dans ta vie, c'est tout le thème puissant. Je vais vous expliquer tout à l'heure le thème que nous devons construire dans notre vie. Je vais vous expliquer. Amen. Amen. Et donc, je sors avec, c'est maintenant mes disciples là. Ouh, Jésus est fort. Au moins, il est inspiré au foin. 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 Parce que j'ai fait des loin. Quand c'est comme ça, ton esprit, il est tout soin. Tu sors comme dans un coma. Tes yeux qui l'ont comme ça. Mais Jésus était là, hein. Tu vois flash là, foin. Puis tu demandes de l'eau, donne-moi de l'eau boire. Il boit son eau. Quand son ne parle pas pour vous, tu vas dormir. Sommeil de ça, c'est jusqu'à peut-être 12 heures. Vous voyez, tu es échappé. Amen. Amen. Il y a des hôtels. Je sais que quand tu arrives en France, la France était bâtie, c'est un hôtel. Il n'y a pas un endroit sur cette terre qui n'ont pas lié. Un contact avec une divination, ça n'existe pas. Heureusement qu'à un moment donné de la France, il y a eu le catholicisme. Vous connaissez l'histoire de la France? Il a pris le dessus, Dieu merci. Mais il y avait des monuments à symboliser, c'était chaud. Des monuments, vont vous expliquer.
D'abord, même Paris veut dire parier. Ici, c'est la loterie. Ici, là, c'est la loterie. C'est gagner, gagner, perdu, perdu. Quelqu'un peut venir, il monte un coup, il tombe dedans. Je ne sais pas ce qui c'est Paris. Je vais parler le Seigneur. Amen. Amen. Ah, Paris, là, c'est Paris, mon frère. C'est ça que les gens, quand ils viennent, ils vont très loin d'abord. Ils vont loin. Ils vont pas à Paris. Ils vont loin. Parce que les gens, ils ont des noms comme ça. Le nom transmet l'impact. Tu l'as dit. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu mon enseignement? Amen. Je vais le faire rapidement parce que je pense que c'est un peu tard. Amen, ça va? Amen. Mais quand je parle des hôtels, je veux vous amener à comprendre beaucoup de choses. Amen. Donc on a déjà compris, nous sommes en train de parler des hôtels sataniques. On dit que l'hôtel, un hôtel, ça peut être un carrefour, ça peut être même la maison où tu es, où tu dors, ça peut être la maison. Parce que les esprits, tu es dans cette maison, tu habites là-bas, tu n'as pas traité avec les esprits. Et toi, tu as habité, tu as dit seulement au nom de Jésus. Bon, tu n'as pas traité, mais les esprits sont venus t'aborder. Tu arrives dans une maison, tu habites de même bizarre. Tu arrives dans une vie, ta vie devient bizarre parce que tu n'as pas traité avec les esprits de la vie. La Bible est claire là-dessus. Quand tu rentres dans une maison, il faut que l'esprit là soit d'abord lié. C'est-à-dire que ça doit être attaché. Si l'esprit n'est pas attaché, il a l'autorité sur toi. C'est ce qu'on appelle les hôtels. Dis amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La prochaine fois, je vais vous parler d'une action. Quand vous vivez des grandes guerres spirituelles, qu'est-ce que vous devez faire? C'est aller souvent dans les carrefours. Je vous ai expliqué ça publiquement. Hein? Parce que moi, je ne parle pas sans des preuves publiques. Vous enseignez. Et quand vous posez cette action, celui qui est derrière votre combat, il est obligé de subir des choses. Ça, c'est des choses qu'il ne loupe jamais. C'est pour ça que les grands mystiques vont te dire à quelle heure va au carrefour. Je vais revenir là-dessus la semaine prochaine. Si tu veux réussir dans la vie, il faut avoir un grand pouvoir. Amen. Amen. Parce que tu vas affronter les gens qui ont le pouvoir. Amen. Amen. Quand Moïse a dit, Dieu m'a envoyé, les magiciens des pharaons ont regardé. Il a jeté son serpent, il a mis là. Ils ont jeté aussi le serpent. Mais heureusement que le serpent de Moïse a avalé celui des magiciens. Je dis amen. Amen. Ils ont le pouvoir dans ça. Moïse m'était convaincu qu'il allait partir, c'est un problème. Nous sommes dans ce monde-là. Oui, tu ne sais même pas qui tu as fait. Ton patron de société, il ne sait pas où il s'en va. Tu le vois physiquement, mais il y a quelqu'un qui travaille en disant. Lui, c'est qui tu es. Il t'a plaisé. Tu ne payes pas ta dîme. Il va te tuer. Vous savez que quand quelqu'un ne paye pas sa dîme, il est sous la désobéissance de Dieu. Vous savez pas? Amen. Par contre, pas de dîme, mais ça, c'est déjà. Amen. 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 C'est la chose où les gens disent amen. La Bible dit. Vous me trompez dans Malachie le chapitre 3, à partir du verset 8, vous me trompez et vous dites, encore nous t'avons trompé dans les 10 000 autres. Vous êtes frappé par la maladie. Amen. Amen. Vous allez fabriquer un hôtel où on n'aimait pas les sacrifices. Amen. Amen. L'hôtel c'est Jésus, n'est-ce pas? Amen. Sur ce que Jésus-Christ est notre Père. J'ai dit là-dessus tout à l'heure. Je suis en train d'aller un peu vite dans l'enseignement. Mais pour vous dire, là où il y a un hôtel, il y a toujours une réclamation. Luc 10, verset 31. Jésus dit à Simon, 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 Satan t'a réclamé. Il était avec Jésus, mais Satan réclamait son âme. Amen. Il était d'ici de Jésus. Mais dans sa lignée, il y avait des esprits que les gens adoraient, qui réclamaient la destinée de Simon. Amen. Tu as l'église, mais les esprits réclament. Dans des réclamations. Amen. Quand tu dors, tu as des esprits bizarres. Tu tombes sur des gens bizarres qui te trompent. Les gens qui vont te tromper, c'est eux qui voient ça. Ah, les gens bizarres, ceux qui vont vraiment m'aimer, là, je ne les vois pas. Mais ceux qui vont m'embrasser, c'est eux qui tout sur moi. Moi, c'est les gens mariés. C'est les esprits qui font ça. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Ça va? Est-ce qu'on me saisit un peu? Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. 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 Des esprits.
C'est que tout le temps comme ça. La Bible dit qu'il y a une guerre dans le ciel. L'ange Michael a chassé Satan. C'est la guerre des esprits. Que tu veux ou pas, d'entre nous tu es. N'a pas bien de fouiller la vie des gens. Mais chacun se prépare, chacun se protège. Je ne comprenais pas une chose. Mon téléphone s'est gâté vite. Vous connaissez-vous, quoi, on parle. Le téléphone, ça casse. Après, je me suis assis et réfléchi. Le chef de la Samsung, ils m'ont proposé, puis j'ai demandé. Mais faut protéger ton téléphone. Si tu veux que ton téléphone dure, la première action que tu dois poser, c'est se sécuriser ton téléphone. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire que si tu veux aller très loin, sécuriser ta vie. Amen. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui consomme, mais pas porte. Vous avez dit bonjour, vous avez laissé les souffles, ils n'ont pas venu. Ils n'ont pas venu le truc. Comment vous dormez? Vous n'avez pas Dieu pour vous protéger. Oh, la Bible dit, si l'Éternel ne garde une maison, ceux qui la gardent veillent en vain. On m'a bien saisi? Amen. Si l'Éternel ne garde une maison, ceux qui la gardent veillent en vain. On m'avait saisi. Amen. Si l'Éternel le garde une maison, ceux qui la gardent, amen. L'Éternel qui garde. Tous ceux qui ont, ceux qui t'entendent de faire, c'est zéro. Le mangeur d'un balai appelé qu'on a, il va sortir. Ils vont te manger. Au petit sauce que tu nous, avec un sacrifié à gros diamant. Si l'Éternel le garde une maison, ceux qui la gardent, si l'Éternel le bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Qui bâtit avec toi ta destinée? Qui te conduit dans ta destinée? David dit, l'Éternel est mon berger. Qui est ton berger? Je m'avais saisi. Amen. Je m'avais saisi. Amen. Qui te sécurise? Qui te protège? Dans l'entreprise où tu es, c'est la guerre des esprits. Chacun peut te jalouser et puis aller t'attaquer. Alors, s'il n'y a pas quelque chose qui le retient, qui le maîtrise, il te détruit. Amen. Tu peux mener même pas avoir une promotion pour venir en toi. Parce que c'est la guerre des esprits. Il dit, Satan te réclame. Satan te réclame. Donc, il y a des réclamations. Il y a des esprits, eux, ils le réclament. Amen. Amen. Il y a des esprits qui réclament. Donc, il y a des réclamations. Amen. Dans les réclamations. Amen. Amen. Par moments, les esprits vous réclament. Ils vous réclament. Et vous avez l'impression qu'il y a des maladies bizarres qui vous arrivent. Vous avez des choses bizarres que vous n'arrivez pas à comprendre dans votre destinée. Vous avez un talent, vous êtes bien. Mais à un moment donné, tout devient bizarre. Et vous avez l'impression que les enfants deviennent très bizarres autour de toi. Et un matin, ta vie chamboule. Tu n'arrives pas à comprendre des maladies bizarres qui t'arrivent. Tu ne comprends plus ta vie. Tu es bloqué. Tu ne peux plus avancer. C'est une réclamation des esprits. Amen. Dans 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 1 à 5, la femme dit, la femme d'un, la fille des prophètes, elle allait voir le prophète Élisée pour lui dire, s'il te plaît, mon mari craignait l'Éternel. Mon mari craignait l'Éternel. N'est-ce pas? Il est mort. Et les créanciers sont venus prendre des enfants pour payer, pour faire des esclaves. Alors, donc les parents sont morts avec des dettes spirituelles et c'est nous qui les payons. 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 1 à 5. Et tu as l'impression que tu es en France, mais celui-là qui oublie des milliers de toi. Tu comprends pourquoi le sorcier te mange? Parce que ce qui est en toi n'est pas plus fort que ce qui est en lui. Amen. 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 Alors, vous avez compris déjà ce qu'on appelle les hôtels, n'est-ce pas? Amen. Vous avez déjà compris déjà pourquoi les hôtels parlent? Je vous ai déjà dit. Amen. Les hôtels réclament, donc ils parlent. Ils réclament. Nos parents ont emmené des fétiches, ils adorent. Ils réclament ça. Ils ont soit habitués à avoir du sang, n'est-ce pas? On ne les adore plus. Même si tu les adores, même si tu ne savais pas. Souvent, l'hôtel que tu as, la vie ne vient pas de toi, c'est un truc lointain. Mais ça a un impact sur toi, puisque ça a une question de sang, c'est une question de sang. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. 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 Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Pour qu'un hôtel arrête de parler, il faut détruire l'hôtel. Et rebâtir notre hôtel. Dis amen. Amen. C'est à partir de l'hôtel qu'il y a une connexion
entre la personne et cette divinité qu'elle invoque dans sa vie. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Alors, donc, la question est posée, quel est le père que tu as identifié dans ta vie? Point d'interrogation. Ça veut dire, ah non, je ne sais pas. Ok. Peut-être que tu peux dépasser ça. Hein. Tu peux avoir tes raisons. Il y a des gens qui n'aiment pas mener des enquêtes sur leur objet aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont peut-être dans la matinée, tout ça. Eux cherchent à savoir d'où ils viennent. Parce qu'en tant que maman, ils sont noirs. Normalement, ils vont être dans l'Afrique. Pourquoi ils sont ici? Amen. Amen. Et quand on dit, ah non, tu es gagné. On a vu comme ça des histoires. Ils vont au Ghana. Amen. Parce qu'ils sont arrivés dans leur histoire, ils ont été déportés quelque part. Alors, donc c'est important. L'histoire nous rejoint toujours. L'histoire est importante. C'est pour ça que quand Dieu veut parler à Israël, il dit, souviens-toi. Souviens-toi. L'autel, c'est l'endroit de souvenir. Pourquoi le diable t'attaque toujours? Et puis, garde. Amen. Tu finis de prier et c'est toi un démon, un gars mange, viens embrasser. Tu comprends? Le sang de Jésus, je me couche, je m'endors en paix. Oh, éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voici un gars qui sait qui fait l'amour et toi arrête. Moi, je comprends là. Les rapports sexuels, c'est spirituel et c'est réel dans le monde spirituel. Le rapport que tu es en train de faire, est un rapport, mais rien, mais qu'est spirituel. Parce que tu as, excuse-moi, parce que tu arrives à éjaculer. Tu arrives à sentir, soit disant plaisir. Donc c'est quelque chose, rien, mais spirituel. Si l'esprit, quelque chose a abusé de toi, ça veut dire qu'il est déjà dans ta vie. Sans crainte, il jouait ton corps. Pourquoi? Parce que ce qui est en toi ne l'effraie pas. Amen. 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 Vous m'avez compris? Amen. Ah, les sorciers là-même. Pour que tu puisses vaincre la sorcellerie, frère, pour que ton hôtel soit puissant. Amen. Amen. Je vous dis, Denis, pour qu'un hôtel, devienne puissant, écoutez-moi très bien, un hôtel devient puissant par la force de son sacrifice. Amen. Amen. Le jour où les gens vont forêt sacrée, ils vont voir ce cabu. Tu ne viens pas être cabu là-bas. Ils vont te chicoter. C'est ça que la Bible dit qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains. Un adorateur ne vient pas les mains vides. Qui est vrai adorateur? Ça, le diable a pris ça de Dieu. Depuis qu'un adorateur va donner dans la main de son nom. Où est le sacrifice? Isaac a demandé à son papa. On va sur la montagne. Mais papa, le mouton il est où? Dis amen. Amen. Le moteur est où? Parce que l'autel, ce qui alimente l'autel, c'est le sacrifice. Les gens, ils sont pas Seigneur, ils viennent adorer le Seigneur. Ah, ils n'ont. C'est là, et ils commencent. Frère, tout se prépare. Le vrai adorateur, il se prépare pour l'adoration. Amen. Amen. Sois un vrai. Dis à quelqu'un, sois un vrai adorateur. C'est maintenant que tu vas fouiller dans ta poche, tu vas fouiller, non, c'est-à-dire, c'était là, non, j'ai oublié, vaincu. Le faux adorateur. Ça se prépare depuis la maison. Amen. Dieu envoie pas le forêt, à fouler la forêt sacrée. Déjà, une semaine, le tablier est déjà prêt. Mais, Amen. Amen. Prenez Malachie le chapitre 1, le verset 14, vous allez comprendre. Ou le verset 8, vous allez comprendre. Frère, un vrai adorateur, quand il vient, parce qu'il y a l'autel dans la maison de Dieu, il ne doit pas venir de même vie. Tu m'as bien saisi? Amen. 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 La puissance de l'autel, c'est son sacrifice. C'est l'holocauste, le sang combattu. Vous allez me poser la question, frère. Heureusement pour nous, dis à quelqu'un heureusement. Heureusement. Dis à quelqu'un heureusement. Heureusement. Frère, heureusement que Jésus, le mont Golgotha que vous voyez, c'est l'autel. Dis amen. Amen. Le mont Golgotha, c'est la montagne. Et je vous ai dit que
appelle ça haut lieu. Donc, elle dit montagne. C'était la montagne des crânes. Le lieu des crânes. Une montagne. Alors, c'était normal que Jésus-Christ soit mis comme sacrifice. Il fallait un sacrifice sur l'autel. Dis amen. Je sais que Jean-Baptiste a eu raison de dire, voici l'agneau de Dieu. Parce que ce qui alimente l'autel, c'est le sacrifice. Et l'autel est puissant par la force de son sacrifice. Amen. Dis amen. Amen. Je sais que Dieu a donné l'unique fils, ce qu'il avait de précieux. Le sacrifice aime ce que tu as de précieux. L'autel aime ce que tu as de précieux. Tu n'as pas de dire de précieux. Que l'autel est le sac plus puissant que toi, lui, il est de Dieu. Nous avons vu ce dimanche passé, le roi de Moab face à Israël. Israël s'est levé contre le roi de Moab. Les Israélites commençaient à détruire, commençaient, ils ont commencé à avoir peur. Je dis, ah bon, c'est la guerre des autels. Le roi de Moab prend son sacrifice, son fils, il lui mord, il le brûle devant tout le monde. Ils ont pris le devant sur Israël. Comment vous comprenez ça? Parce que c'est la guerre des autels. Amen. Celui qui te combat, il te combat avec des fétiches. Mais s'il voit que, frère, l'autel pour nous, notre autel, c'est Christ. Amen. Est-ce qu'on peut faire le Seigneur? Notre autel, c'est Christ. Les yeux cassés à forêt, ça va réfléchir ça.
on y va. Malachie chapitre 1, le verset 8. Le verset 14, on va lire le verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous est sacrifié au Seigneur une bête chétive. Amen. 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 Maudit soit le berger, n'est-ce pas? Amen. Qui a dans son troupeau des bêtes et bien. Et sa Dieu, il envoie ce qui est chétive. Il est maudit. Car je suis un grand roi. Amen. Dis l'Éternel des armées. Amen. Dis amen. Amen. Et là, quand il vient à l'église, c'est là qu'il commence maintenant à prier. Ce qu'il ne peut pas faire, il dit non, ça c'est un centime. Bon, c'est un débarras. Maudit soit celui qui a dans son troupeau ce qui est bon. Et puis lui donne à ce qui n'est pas bon à Dieu, il est vivant aussi. C'est ça qu'un vrai adorateur se prépare à la maison. Il n'est pas joué ici. Ne jouez pas ici, c'est une fausse tradition. Non. Tout se prépare dans ton enveloppe. Jouez les nuits là-dessus. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul même dit, dans Romains chapitre 12, le verset 10, d'offrir à Dieu notre corps comme sacrifice vivant. Ça veut dire que tu vis, mais ton corps est un sacrifice à Dieu. Donc quand on dit sacrifice, tu n'es plus maître de ton corps. C'est Christ qui est le maître de ton corps. Tu es vivant, mais tu es un sacrifice pour Dieu. Amen. À Dieu. Amen. Ton corps est dédié à Dieu. Tu dois faire ce que Dieu veut. Amen. Amen. On m'a bien compris. Amen. Les gens toujours sont dans la désobéissance. Ça veut dire, frère, tu es dans la désobéissance. Quels que soient tes moyens, quels que soient tes paroles, quels que soient tes gestes, l'État est fou, toi. Amen. Parce que toi-même, d'abord, tu dois comme un sacrifice vivant sur le terre. Amen. Un sacrifice vivant. Tes membres, ton corps, ta pensée, ce que tu es, est comme un sacrifice vivant sur le terre de Christ. Amen. Je ne dis pas que non, moi je vais à l'église, mais ma bouche ne va pas à l'église. Et les gens de leur bouche, là, ce n'est pas chrétien. Quand ils voient ce qui sort de leur bouche, ah, il est possédé. Amen. Le diable s'élève et te tue. Vous êtes tous deux dans la même maison. Le sorcier va te gagner. Amen. On a bien compris. Amen. Pas de question, il n'a pas bien prié pour moi. Il n'y a pas une petite prière. Une prière, laisse une prière. Celui qui exauce, c'est Dieu. Amen. Celui qui valide, c'est Dieu. Amen. Quand il y a ton cœur, il sait que toi, n'importe quoi. C'est là le sens. Il vous dit, il regarde les hôtels. Et puis, dans lui, il faut que je le mate. Je le mange son bonheur. Comme ça, il va bien descendre en bas. Vous voulez le manger avec épinard. Épinard, c'est bien. Par exemple, quand ça, c'est Dieu, son qualité. Vous voulez le manger épinard. Dites non, nous sommes des sacrifices. Amen. Amen. Or, si tu offres ton corps en sacrifice, mais le tel ne doit pas rester vide. Elle doit être continuer d'être alimentée. Or, ce qui alimente le tel, c'est l'holocauste. L'holocauste, là, c'est ton offrande. Le salaire que tu as, c'est ton sang. Vous savez pas ça? Quand vous partez travailler, la rien qu'on vous donne, c'est votre sang. Vous ne trouvez pas ça comme ça? Amen. Pourquoi tu fais mal? Pourquoi quand la rien ça te fait mal? Mais ton Amen. Est-ce que tu m'as bien compris? Amen. 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 Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Alléluia. Amen. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Le thème ne doit pas être vite. Au nom de Jésus. Le thème ne devient pas vite. Amen. Regardez ce que Dieu dit à Joël. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur? Amen. Joël chapitre 1, verset 13. Fais ton offrande, c'est ton holocauste. Tu as fait le pas, tu
Tu es monté, mais l'autel est vide. Amen. Joël, le chapitre 1, le verset 13. Est-ce qu'on suit bien l'enseignement? Amen. 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 Qui s'en fait du bien? Qui s'en fait du bien? Amen. Amen. C'est bon? Oui, tu peux. D'accord. Joël, chapitre 1, verset 13. Sacrificateur. Il dit sacrificateur, il n'oublie pas des pasteurs. Saignez-vous. Oui. Et pleurez. Il dit pleurez. Lamentez-vous. Lamentez-vous. Serviteur de l'autel. Serviteur de l'autel. Nous sommes serviteurs de l'autel de Dieu. Amen. Allons-y. Il dit pleurez. Lamentez-vous, oui. Venez passer la nuit revêtu de sacre. Pourquoi? Parce que quand l'autel est vide, c'est une malédiction. Le peuple est frappé de la malédiction. Amen. Amen. C'est ça que la Bible dit, nous en tant que sacrificateurs, nous devons veiller, même pleurer, parce que l'autel est vide. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça qu'il aime ici, vous voyez. Et ça leur coûte rien d'aller faire des grands sacrifices. On lui dit, mon frère, pour avoir tel poste là. Souvent, c'est des sacrifices humains. Et il fait. Lui, il excelle. Et puis, toi, chrétien qui prie, Seigneur Jésus, le feu, combattant la gosillasse, il dit, tu es dernier. Parce que l'offrande que tu as n'a pas de valeur par rapport à l'autre. Tu le superflu. D'ailleurs, toi-même, tu te débarrasses de ça. C'est la guerre des autels. C'est ça que quand Dieu voulait bénir Abraham, il lui a dit, Abraham, tu dois faire un sacrifice. Vous savez, le sacrifice qu'on fait, l'offrande qu'on fait, parle plus que tout. Abraham, quand vous voyez Israël, leur histoire c'est clair. Ils ont éradiqué la pauvreté de leur vie. Le premier personnage à payer sa vie, c'est Abraham. À Méchisédek. C'était l'image de Christ dans l'Ancien Testament. Méchisédek. Il a compris. Dieu te le dit, le prémisse. Tout ce qui est prémisse, premier. Tout ce qui est c'est tellement dans les mèches de gens que même l'État prélève ton salaire sans ton consentement. Il n'a pas besoin. Sur ton salaire, la neige, il faut. Est-ce qu'on a bien saisi? L'acte qu'ils ont posé, Abraham a fait, a radiqué définitivement encore pour bénir Abraham. Il dit, donne-moi ton fils. Dans les mots. Toi, depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as fait de Dieu? C'est pour ça que moi, je n'ai pas peur. Il y a des souvenirs. Quand tu vas m'attaquer, Dieu va se souvenir que je nourris les orphelins. Ou ça, il va te frapper. Amen. Amen. Amen, amen. Je suis en train de m'enseigner pour aller les scolariser. Donc quand tu as commencé à m'attaquer, tu vas dire, hey, monsieur, quand c'est lui que tu attaques. Hein? L'offrande est un lieu de souvenir. Parce que Proverbe, le chapitre. Ah. C'est quoi ça? Joël. Joël. Non, laisse appeler le Joël. Allons dans son maintenant. Dans son. Parce que toi, tu es ici. Non. Parce qu'un poète ici, mais dans une autre dimension. Le psaume combien? Le psaume 20. Écoutez bien le verset 4. Est-ce qu'on me suit un peu? Amen. Toi, Dieu se base sur quoi pour agir? Psaume 20, verset 4. Qu'il se souvienne de toutes les offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Dis amen. Amen. Là, je te souviens de quoi? Eh bien, Seigneur, je m'essaye de tous les faits du mois, je me bats pour que l'église soit payée. Ça, c'est un souvenir qui rentre dans la mémoire de Dieu. Amen. Un homme, ça, Dieu le protège. Toi, tu fais quoi pour Dieu? Aucun sacrifice que tu vas faire sans douleur pour les âmes. Le sacrifice est toujours douloureux.
La preuve, c'est que Jésus a connu cette douleur. Le premier, expérimenté ça. Tu fais quoi pour l'œuvre de Dieu? Tu es dans le fait de Dieu là. Oui, ta part. Tu vas dire non, le Seigneur a tout fait. Il a tout fait. Et toi, ta part, c'est quoi? Tu ne peux pas accéder à une grâce particulière de Dieu sans que tu n'aies marqué Dieu. Ézéchias, dans Ésaïe 38, Ézéchias dit à Dieu, ils sont venus annoncer une mort. Il dit, souviens-toi de ce qui est fait pour toi. C'est ce qui a sauvé Ézéchias. Amen. Amen. Quand le sorcier vient et dit, je vais le manger, le Seigneur dit, mange-le. Mange-le, mange-le. Va au marché pour l'eau là-bas, faire les ouvriers, mange-le. Il n'est pas utile pour mon royaume. Amadé saisi. Amen. Est-ce qu'on m'a saisi? Amen. Ézéchias a dit, Seigneur. Il dit, Seigneur. Et le Esaïe Dieu lui dit, tu vas mourir. Demain, tu es un homme mort. Vous savez ce qu'il a sauvé? Ézéchias a prié. Amen. Toi, tu fais quoi pour Dieu? Tu ne sais pas parler, pas partout. Tu ne sais pas parler sans moi. Il y a pas moi, il faut laisser que des paroles, il faut agir. Il y a quelqu'un pour agir. Il faut agir. Le chrétien partout, les païens, ils agissent. Nous, j'ai un milieu où on parle trop. Le païen, quand lui, il fait ses vies. Là-bas, il n'y a pas trop de paroles. L'autre, là-bas, c'est les actions. Non, je ne suis pas dans les paroles. Mais c'est nous, on aime raisonner, frère. Il y a toujours un prix à payer. Tu as payé quel prix? Et donne le Seigneur. C'est vrai que tu as fait ton corps comme un sacrifice non sur l'autel, mais l'autel s'alimente. Quel est l'acte que tu poses qui rend ton souvenir dans la mémoire de Dieu pour se souvenir de toi? Vous voyez, Dieu s'est levé à ma tête. Regardez ce qu'il a dit. Vous terminez dans Romains, Actes des Apôtres, chapitre 10. Est-ce que monsieur un peu? Amen. Je m'en vais clamer Jésus. C'est ce qu'on appelle un orphelin, parce que moi j'étais petit, j'étais verset 2. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Verset 8. Et après leur avoir. Et après leur avoir tout raconté, ils les envoyaient à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route, verset 10, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Amen. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni impur. Le verset 14, 4 nous intéresse, écoutez très bien. Le verset 4 de l'Acte des Apôtres. Les regards fixés sur lui et saisis de foi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant tes Dieu. Tes prières et tes aumônes sont montées au devant de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il s'en est souvenu. Dis amen. Amen. La prière ne suffit pas. Dis à quelqu'un la prière ne suffit pas. Il priait seulement là, vous êtes là, tu viens là, Seigneur, Dieu attend quelque chose pour se souvenir. Un païen, un Romain, un païen qui n'avait rien à voir avec la grâce d'Israël, avec le peuple d'Israël, comme il posait des actes au-delà des paroles, c'est ce que Dieu a regardé. Il a visité Corneille. Pour que Dieu te visite, il faut que tu le marques. Amen. Dans ce que tu fais. Tu
T'attends quoi à Dieu? Si c'est petit, tout de suite, on dit quatre bœufs, tu as fait. Et les gens, tu sais, réfléchir. Hein? Vous bœufs, ils vont donner bœufs tout de suite. Mais pour le Seigneur, réfléchir. Amen. Comme Dieu n'a pas besoin de ça. Si, il a besoin de ça. Dieu a quelqu'un qui a besoin de ça. Il a besoin de ça. Si vous voulez mettre Dieu à l'épreuve, commencez à vous intéresser dans l'œuvre de Dieu. Il y a des parties qui vont plus venir, il y a des choses qui vont plus vous trouver. Non, Dieu va bannir ça. Parce que là où sort l'argent pour son œuvre, Dieu se dirige ça. Amen.